Voilà, chers membres du Conseil communal, chères citoyennes, chers citoyens, bonsoir à toutes et tous. Je vous propose d'ouvrir la séance de notre Conseil communal de ce 20 juin 2022. Alors, nous allons commencer par faire le point sur les absences. Et donc, en l'occurrence, il y a 3 absents aujourd'hui. Donc, M. Todé, Mme Yafrat et Mme Vasapoli. Ce qui nous donne... donc sur le plan donc, du calcul des votes. Donc majorité 16 voix, PSID 4, citoyens égaux, donc 2 représentants, ce qui nous fait un total donc, de 22 membres du Conseil sur 25. Voilà, nous passons au point numéro 1. Code de police, modification de l'annexe 3, et il s'agira d'un vote. Madame Godfirnon. Vu sa décision du 25 avril 2021 arrêtant le règlement taxe sur l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés, tel que modifié le 23 mai 2022, considérant qu'il s'indique de modifier l'annexe 3 du dit code de police suite à la modification du système de collecte de déchets, considérant que le nouveau texte proposé a été établi en concertation avec les 3 communes qui constituent la zone de police Benezet, Fléron et Soumagne. Étant donné que dans ce nouveau texte, les modifications apportées sont notamment les modifications les plus importantes sont au niveau de la définition des PMC, puisque les PMC sont devenus P plus MC. Puisque les sacs bleus peuvent contenir maintenant les emballages en plastique rigide tels que les pots de yaourt, etc. Dans l'article 1er, il y a également la définition des déchets encombrants qui a été modifiée pour adapter celle qui est reconnue par la ressourcerie du pays de Liège, étant donné que nous sommes maintenant affiliés à celle-ci. Il y a aussi tous les termes parc à conteneur qui ont été remplacés par le terme reciparc dans cette annexe 3. Il y a également un changement au niveau du conditionnement des déchets ménagers, étant donné que nous sommes passés des sacs aux conteneurs à Tradel. Donc toutes les références aux anciens sacs communaux belges ont été supprimées également. Les jours de collecte de conteneurs ont été adaptés et les jours de collecte PMC et de papier carton ont également été adaptés pour que le planning de collecte soit le même que pour les conteneurs. Voilà en gros les différentes modifications. Donc, le conseil communal... nous passons à le vote. Le conseil communal donc doit voter pour ou contre les modifications de l'annexe 3 du code de police. Voilà, merci Madame Godfirnon. Avez-vous des questions? Oui, Monsieur Delchef. Oui, merci. Bonjour à tout le monde, Monsieur le Président, Madame Lichfine. Comme vous savez, on n'est pas très chaud hein, pour les conteneurs, et j'ai quelque chose à l'article 6 qui me pose quand même un problème par rapport au code de police, puisque c'est un code de police. On dit au paragraphe 2, les récipients de collecte sont placés en bord de chaussée, contre la façade, contre l'alignement, à l'entrée des voies inaccessibles aux véhicules de collecte ou sur des chemins privés, sauf configuration spécifique des lieux. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers sur la voie publique, notamment les piétons, donc la voie publique, le trottoir fait partie, à mon avis, de la voie publique, et doivent être parfaitement visibles de la rue. Visibles de la rue, ce n'est pas un problème. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers, et alors il y a l'obligation donc, de les rentrer, mais ça, c'est plus facile. Donc voilà, je ne sais pas au niveau de la police quelle va être l'attitude par rapport aux conteneurs lorsque vous êtes sur la grande route, le trottoir faisant, à tout casser, 1 mètre, 1 mètre 10, lorsque le conteneur est dessus et que les personnes vont travailler, c'est compliqué. Même à d'autres endroits, ces conteneurs, quand il y en a un, deux, ou lorsque les sachets sont partis, ben ok, hop, il n'y a plus personne et tout le monde peut passer. Ici, on a un problème qui reste pendant toute une journée.
Donc j'aimerais savoir quelle est la position du collège par rapport à cette problématique et celle de M. le bourgmestre qui représente en fait ici aussi le conseil de police et quelle va être l'attitude de la police par rapport à ce genre de ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers sur la voie publique. Je vous remercie. Ce point-là, dans l'article 6, n'a pas en fait changé, donc il n'y a pas de modification à ce niveau-là. Pas de modification de l'article, mais une modification des éléments qui se situent sur la rue. Quand on avait des sachets, le sachet, on mettait le sachet à 6h du matin, à 8h30 ou à 9h, il était parti, ça n'entravait plus la rue. Ici, les conteneurs sont plus gros, il y en a deux, ça entrave la rue pendant toute la journée. Donc, si l'article n'a pas changé, les éléments et les contenants ont, eux, changé. Donc, oui. Oui, donc, en fait, ce qui se passe, ça, c'est un point qu'on a étudié lorsqu'on on est passé au conteneur, au système de conteneur, et on a, en fait, screené l'ensemble de la commune pour savoir, en gros, s'il y avait des points problématiques, des points noirs au niveau de largeur des trottoirs. Donc, ça, on a étudié à l'époque. En fait, c'est applicable dans 99,9% des cas. Donc sur l'ensemble de la commune, y compris sur les 155 km de voirie communale, il n'y a quasiment aucun problème. Alors de fait, il y a un passage ou l'autre où le mètre et demi de trottoir n'est pas respecté, mais ça c'est historique, et où de fait, bah, il faudra faire preuve d'un peu de compréhension. Donc ça c'est clair. Mais donc c'est vrai que je pense qu'il y a, en tout cas moi j'ai à ma connaissance, un trottoir, une zone qui est un peu problématique. Et bon, sur le reste de la commune, il n'y a aucun souci. Donc pour répondre à votre question, bah, c'est sûr que les services de police seront compréhensifs par rapport à cette problématique-là. Et c'est clair qu'il n'y aura pas de verbalisation vis-à-vis des citoyens qui font ce qu'ils peuvent et qui évidemment doivent mettre leur conteneur à rue pour qu'il soit vidé. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Ok. Nous procédons au vote. Qui est pour ? Donc 16 pour. Qui est contre ? Et qui s'abstient ? Et 6 abstentions. Donc 16 pour majorité, 6 abstentions. Oui, il y en a 2 aussi de l'autre côté. Donc 2 abstentions citoyens égaux et 4 abstentions PSID. Oui, mais on les a vus, nous. Ils sont à côté de toi, Jean-Marie. Il faut voir la rue du Pasteur et le foutoir que c'est. La rue du Pasteur, je ne sais pas combien font les trottoirs, je ne sais pas s'il faut 1,50 m, mais pas mal de conteneurs sont retournés sur le trottoir et il ne fait pas passer. Hein. Celui qui doit passer avec un landau ou quelque chose de genre sur le trottoir rue du Pasteur, il ne sait pas passer. Et donc la problématique qu'on a, je précise, à certains endroits au niveau de la rue Louis-Pasteur, c'est pas spécialement la largeur du trottoir, c'est des citoyens qui laissent trop longtemps leur conteneur. Donc ça, c'est vrai. Donc là, on est en train d'agir justement pour essayer de sensibiliser. Donc voilà. Mais si le code est respecté, en l'occurrence ici, donc la règle c'est qu'on met son conteneur la veille et puis qu'on le reprend le lendemain, ça pose évidemment un minimum de problèmes. Hein. Ici, les conteneurs restent trop longtemps sur le trottoir. En tout cas, dans le cas. Mais trop longtemps, ça veut dire qu'on dépasse le délai qui est précisé ici dans l'article. Et que tu rentres à 20h le soir. Oui, et que je dis trop longtemps, c'est quand ça reste 3-4 jours sur le trottoir, c'est ça que je veux dire. Ok, nous passons au point numéro 2. Donc c'est le règlement relatif au budget participatif de la commune de Soumagne. Il s'agira également d'un vote. Et je cède la parole à M. Azewoutz. Bonsoir à toutes les auditrices, à tous les auditeurs, bonsoir à toutes et à tous. Dans notre déclaration de politique communale 2019-2024, nous avons clairement indiqué notre volonté de mettre en œuvre un budget participatif visant à soutenir les initiatives citoyennes par l'attribution d'une enveloppe budgétaire participative pour la réalisation de projets impliquant les citoyens. Pour ce faire, un budget de 40 000 euros a été inscrit au budget ordinaire 2022. Il est demandé au Conseil communal d'approuver le règlement relatif au budget participatif, tel que repris dans la note explicative et que nous présenterons dans sa version validée ce jour, aux citoyens lors des séances d'information prévues cette semaine. Bien évidemment, il s'agit d'une première pour notre commune et nous ferons bien entendu l'évaluation de ce règlement et de ce premier budget participatif en vue de l'améliorer, si besoin, pour sa seconde édition. En voici une brève présentation. L'article 1 précise donc ce qu'est un budget participatif ainsi que les objectifs visés, à savoir permettre aux citoyens de s'investir dans l'amélioration de la vie de leur commune, de leur quartier, de leur village, d'amener les citoyens à mieux comprendre les processus administratifs et décisionnels qui sous-tendent toute action publique.
L'article 2 précise que tout groupe de citoyens, minimum 3 personnes, résidant sur le territoire de la commune de Soumagne peut déposer un projet citoyen et qu'une personne majeure doit être désignée comme porteur de projet. L'article 3 précise les critères de recevabilité et d'éligibilité d'un projet citoyen, critères qui seront vérifiés par le comité d'accompagnement dont je parlerai après. Les critères de recevabilité sont rencontrer l'intérêt général, être localisé sur le territoire de la commune de Soumagne, être techniquement, juridiquement et économiquement réalisable, ne devra comporter aucun risque de bénéfice personnel lié au projet, devra engager pour sa réalisation un budget inférieur ou égal à 50% du montant total, donc ici, puisqu'on a 40 000, ça veut dire maximum 20 000 euros, ne devra servir à aucune acquisition, location immobilière ou foncière, ni à aucune prestation d'études, et ne devra pas servir de complément, de subvention à un groupement ou une association. En plus d'être recevable, pour que ce soit éligible, nous demandons à ce que le projet citoyen soit innovant sur le territoire ou partie du territoire, ce qui veut dire qu'il ne pourra se substituer à une action ou un projet présent ou à venir que la commune tient à réaliser ou va réaliser, ou une de ses missions de base. Remplir au moins une des 3 conditions suivantes, être générateur de liens sociaux de convivialité, renforcer tout ce qui est tissu associatif, coopération, inclusion, justice sociale, participer à l'amélioration du cadre de vie ou à une meilleure gestion des ressources de celui-ci, et justifier obligatoirement de caractère pérenne et site d'application qui rencontre les différents objectifs de développement durable. L'article 4 précise les différentes étapes du budget participatif, à savoir une phase pour le dépôt de projet. Nous prévoyons ça du 22 juin au 30 septembre environ. Ce sera évidemment mis en temps utile sur nos différents canaux de communication et sur la plateforme citoyenne. Une phase d'analyse des projets par le comité d'accompagnement, on prévoit ça pendant le mois d'octobre. Une phase de vote, ce serait pendant le mois de novembre. Et ensuite, après diffusion des projets publicités, la réalisation de ceux-ci sur l'année 2023-2024. L'article 5 précise que le calendrier donc sera consultable sur la plateforme citoyenne. L'article 6 précise la composition du comité d'accompagnement, c'est-à-dire moi-même en tant que chef de la citoyenneté, des agents en charge de la citoyenneté et de la gestion participative, ainsi que des représentants du collège et des représentants des services communaux et du plan de cohésion sociale en fonction des thématiques des projets proposés et ou retenus. Les missions du comité d'accompagnement sont évidemment d'assurer la validation de ces projets, comme je vais l'expliquer, préalablement au vote des citoyens et surtout une mission d'accompagnement des projets citoyens retenus. Et enfin, un article 7 qui concerne tout ce qui est les protections des données personnelles, le fameux RGPD. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Zewoud. Avez-vous des questions ? Oui, M. Lebeau. Oui, sur l'article 2, on parle ici, dans le cadre d'un groupement de citoyens, seront demandées les coordonnées complètes de l'ensemble de personnes constituant le groupement. Et dans le cadre d'une association locale, seront demandées plus ou même chose et la liste de ses membres. Alors ici, c'est quel est l'intérêt de cette demande ? Et est-il normal pour une association de devoir fournir la liste complète de ses membres ? Ça, c'est la première question. Sur l'article 4, tous les habitants de la commune de Soumagne de plus de 18 ans seront invités à se prononcer sur le projet par leur vote. Chaque citoyen ne pourra voter qu'une seule fois. Alors ici, c'est par quel moyen va-t-on vérifier que le voteur est un citoyen de Soumagne de plus de 18 ans et qui n'a participé qu'une fois au vote ? Et l'article 6, le comité d'accompagnement, donc la composition, vous venez de le dire, c'est le comité d'accompagnement réuni des représentants politiques et des représentants des services communaux. Il comprend une partie variable composée de représentants du collège communal. Et alors la question ici, c'est le droit de contrôle et de participation des groupes de la minorité ne sont-ils pas bafoués en étant exclus du comité d'accompagnement ? Oui, chers écoutes. Alors concernant le premier point... on nous semblait logique, comme on le fait déjà au niveau des subsides aux groupements et associations, et on parle de celle-là essentiellement, de pouvoir avoir la liste des membres que je ne vois jamais. C'est évidemment les services qui vérifient cela. Et quand on parle d'associations, c'est aussi des associations qui sont créées pour le projet citoyen. Donc, ce n'est pas seulement des associations qui existent déjà. Concernant la garantie, on est associé maintenant à une plateforme citoyenne où, évidemment, toutes les garanties d'avoir une seule personne qui vote peut l'être, ce qui n'était pas spécialement le cas quand on fait un Google Form sur Internet, etc. Donc, si c'est le cas, on permet évidemment aussi de pouvoir faire un vote papier. Et donc, on pourra évidemment vérifier qu'un vote papier ne correspond pas à un vote qui a été fait en ligne, puisque pour participer au vote sur la plateforme, il faudra évidemment s'inscrire préalablement.
Et alors la troisième question, par rapport à la minorité, ben voilà, c'est un petit peu comme les subsidies des groupements. Je pense que comme ce sera au niveau du conseil, autrement ça repassera au conseil communal, les différents projets, pour faire valoir ce qui a été voté par les citoyens, pour expliquer les différents projets. Et en fait, ici, le comité d'accompagnement, son rôle va être assez, on va dire, factuel, puisque c'est vérifier des critères assez clairs, comme techniquement, économiquement, juridiquement. On ne va pas, nous, évidemment, aller juger déjà de la pertinence ou pas de projet à partir du moment où les différents critères sont recevables et éligibles. Enfin, les projets sont recevables et éligibles selon les différents critères. Donc, à ce moment-là, c'est surtout les citoyens qui vont, évidemment, par leur vote, plébisciter l'un ou l'autre projet en fonction de l'intérêt. Et donc, ici, voilà, on a estimé que la pertinence de faire venir des membres du collège des services communaux, c'est pour justement vérifier tous ces aspects-là en fonction des thématiques. Il est évident que s'il y a un projet qui est plutôt à titre social, ben on invitera plutôt la personne du Père de cohésion sociale et Mme Thomassin. Si c'est quelque chose qui tient plus à un projet qui tient compte de l'enseignement, ben c'est évident qu'on fera venir également les chefs de l'enseignement pour avoir justement l'expertise de toutes ces personnes-là sur les différents projets qui pourraient être mis sur la table avant de les mettre au vote, pour voir justement si techniquement, juridiquement, économiquement, ça tient la route, en plus des autres critères. Merci, M. Arzewoutz. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, M. Deschef, je pense. Hein. Oui. En fait, je vais tout à fait dans le même sens aussi. Je trouve que la participation citoyenne à émettre un comité où c'est un représentant du collège, et puis rien que le collège, et puis d'autres administratifs, je trouve que ce n'est pas dans la philosophie d'un un élément ouvert, participatif à tous les citoyens. Je crois que la présence même d'un représentant de la majorité, mais un conseiller communal de la majorité et de l'opposition, n'aurait sûrement pas fait tâche par rapport à cette démarche de participation citoyenne. Il y a, et je peux le comprendre, hein, puisque on dit que les conseillers ne peuvent pas participer à faire une demande, ça, mais jusqu'où? Parce que lorsqu'on a l'association, ça sous-entendrait que si le comité des fêtes de Mélin fait une demande, certains représentants du collège étant présents ne pourraient donc pas, le comité ne pourrait pas y être. Est-ce que ça va jusque-là? Jusqu'où est-ce que ça va? Merci. Il est évident que, comme on l'a dit, c'est ne peut pas être porteur de projet à différents membres politiques. Ça veut évidemment dire que le membre politique peut être dans une association d'un projet. On n'a jamais dit le contraire. Mais il est évident que, éthiquement, on ne va pas aller demander à quelqu'un du collège ou à un administratif de venir pour faire valoir un projet qu'il aurait lui-même déposé dans l'association dans laquelle il est. Évidemment, il faut rester de toute bonne foi, essayer de faire ça le plus transparent possible. C'est évident que l'objectif n'est pas de vouloir couper l'herbe sous pied à des projets citoyens, mais il faut quand même mettre certaines balises pour que des projets soient recevables. Je suis tout à fait d'accord. Ma question, c'est est-ce que si un membre du conseil communal, dans la liste des gens, fait partie du bureau exécutif, du conseil d'administration ou de l'Assemblée générale, est-ce qu'il y a là une balise qui est simplement même l'Assemblée générale, ou est-ce que c'est le conseil d'administration dans le cadre de l'exécutif? Ma question, elle est là. Où avez-vous mis la balise? Ouais, la balise, comme je viens de le dire, c'est qu'on ne va pas demander à conseiller de pouvoir juger sur la pertinence d'un projet qu'il aurait déposé. Ça, c'est on ne vous évident. Demande pas de présenter, on vous demande pour pouvoir déposer un permis, comme je l'ai dit, une demande. Déposer, tout le monde peut déposer. Mais tout le monde ne peut pas être porteur de projet. Donc le porteur de projet, c'est la personne qui va être désignée par un groupe de 3 citoyens pour déposer un projet. Donc si vous dites, voilà, dans mon quartier, il y a d'autres personnes et que vous avez un porteur de projet et que vous voulez être dedans pour porter l'initiative d'embellir votre cadre de vie, ben vous pouvez. On n'a évidemment pas interdit cette possibilité-là en se disant qu'on est tous des citoyens. Mais c'est évident qu'en tant que membre du collège, en tant que membre du conseil communal, vous ne pouvez pas être porteur du projet, mais vous pouvez participer à l'élaboration d'un projet. On a bien dit que vous ne pouvez pas être porteur du projet. Donc ça veut dire que si Monsieur Delchef, et vous êtes dans une association quelconque... Non, c'est pour les politiques. Pour prendre un exemple concret, imaginons que vous faites partie du conseil d'administration d'un club de sport. Si le club de sport décide de désigner le président, par exemple, pour qu'il dépose le projet, il n'y a pas de problème. Ce que le conseil d'administration ne peut pas faire, c'est désigner, vous désignez vous si vous êtes administrateur de l'association ou si vous êtes membre. Donc en fait, le porteur de projet doit être désigné par le groupement. Voilà.
je voudrais faire une réflexion, moi, qui est pour ceci, mais qui est aussi pratiquement d'ordre général. Une fois de plus, la minorité, les conseillers de la minorité et pas mal de conseillers de la majorité sont mis au balcon et voteront des choses qui sont déjà acquises, qui ont déjà été décidées, c'est-à-dire que leur rôle, puisque vous voulez leur attribuer un rôle dans votre règlement, in fine, quel sera leur rôle ? Des Robert Dicroy. Enfin, voilà. L'objectif, c'est un budget participatif. Donc l'objectif, c'est de faire participer les citoyens. Je suis d'accord, on est tous des citoyens. Mais en priorité, l'objectif, c'est bien de faire comprendre le fonctionnement de l'administration, d'amener les citoyens à mieux comprendre les processus administratifs, ce que nous, on connaît. Et donc, l'objectif, c'est vraiment que ce soit les citoyens qui soient, évidemment, à l'initiative des projets, que ce soit les citoyens qui plébiscitent les projets qui leur semblent les plus intéressants. Mais on ne voulait pas non plus, puisqu'on est tous des citoyens, empêcher une personne de participer à un groupement, à une association, pour porter un projet. Mais par contre, cette personne-là ne sera pas possible de porteur du projet. Elle ne peut pas être désignée comme porteur du projet. Qui sera la personne qui aura les contacts privilégiés avec l'administration pour éclaircir certains projets, pour pouvoir le réaliser avec l'administration. Hein, c'est aussi simple que ça. On n'a pas voulu être justement trop restrictif parce que justement, vous nous auriez dit, donc on ne peut même pas participer à des projets dans notre quartier, dans notre rue, avec des voisins. Et donc justement pour ça, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas être le porteur de projet. Y a-t-il d'autres questions ? Il n'y a pas d'autres questions ? Ok, nous procédons au vote. Qui est pour ? 16 pour, qui est contre ? Et qui s'abstient ? Et donc 6 abstentions, opposition. Ok, point numéro 3, approbation des comptes 2021 du CPS. Donc il s'agira d'un vote. Et je cède la parole à Madame Thomassin. Ah oui, vous avez un PowerPoint, Madame Thomassin. Je remercie d'ailleurs la directrice financière pour la création. Oui, c'est le compte. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes dans le décret du 23 janvier 2014 relatif à la tutelle administrative sur les décisions du Centre public d'action sociale. Les comptes ont été soumis au comité de concertation commune CPS le 19 avril. Dans sa délibération du 11 mai, le Conseil de l'action sociale les a arrêtés et je vous les présente ce soir. Donc on commence par une évolution des résultats budgétaires sur les quatre dernières années. Le service ordinaire de l'exercice 2021 s'établit avec un résultat à l'exercice propre de 18 367 euros et le résultat global est de 130 460 euros. Le résultat comptable a exactement la même somme puisque tous les engagements ont été clôturés au 31 décembre. Pour ce qui est du taux de réalisation, il est très bon entre le budget et le compte. De manière générale, les dépenses de personnel, de fonctionnement et de dettes ont été inférieures aux crédits budgétaires prévus. Les recettes de dépenses et de transferts, il y a une légère augmentation eu égard aux crédits budgétaires qui sont prévus. Pour rappel, les dépenses de recettes et les dépenses et les recettes de transfert sont des aides sociales, donc il n'y a pas de limitation de crédit. Pour ce qui est de l'évolution des dépenses, pour les quatre dernières années, les voici. On peut voir au niveau des dépenses de personnel qu'il y a une augmentation d'1,34%. Ce sont des mouvements de personnel. Il y a eu des remplacements au niveau du service social. Il y a eu une aide apportée au niveau du service administratif par l'engagement d'étudiants. Le service ouvrier a été renforcé également. On a eu les augmentations barémiques classiques et l'indexation de 2% en octobre. Par rapport aux dépenses de fonctionnement, une augmentation un peu plus élevée qui sont dues aux dépenses liées au plan de cohésion sociale qui a pu avoir ses ateliers en 2021, l'augmentation d'achat de repas, l'épicerie sociale qui a bénéficié d'un subside supplémentaire, il y a eu des frais de formation. Pour ce qui est des dépenses de l'aide sociale, c'est donc les dépenses de transfert qui correspondent principalement aux aides sociales octroyées par le CPAS. Maintenant, voyons vraiment précisément au niveau des dépenses du RI.
le revenu d'intégration. Il y a une nette augmentation malgré le nombre de bénéficiaires qui reste stable. Et donc, ça correspond à 6% d'indexation. Pour ce qui est, donc ici, une vue d'ensemble de la structure générale des dépenses du ordinaire. Donc, il y a, on a repris graphique avec au niveau de la première ligne, donc sur 4 ans, avec chaque fois le ratio entre la part des dépenses du personnel par rapport aux dépenses ordinaires. En jaune, le calcul par rapport aux dépenses de personnel net par rapport aux dépenses ordinaires. En bleu ciel, donc, c'est les dépenses de fonctionnement. Et en bleu foncé, c'est vraiment la part des dépenses de transfert. Pour ce qu'il y ait des recettes, voici le même schéma, le même tableau pour les 4 dernières années. On voit au niveau de l'évolution des recettes de prestations qui correspondent aux revenus générés par l'activité du CPAS, à savoir le magasin, service d'accompagnement, service de repas, loyer, qui augmente légèrement vu le nombre de repas livrés supplémentaires en 2021. Et on commence à avoir le bénéfice de l'optimisation de l'agenda au niveau de l'axe service d'accompagnement et taxi social, rural, au niveau de l'ALE. Pour ce qui est des recettes de transfert, ce sont les recettes qui viennent, les subsides en provenant du fédéral et des autres niveaux de pouvoir. Ils sont en augmentation de 6,75%. L'essentiel, c'est les aides, les subsides COVID. On a aussi une augmentation au niveau des personnes mises sous article 60 en 2021. Il y a 5 personnes supplémentaires qui ont été sous ce contrat-là. Et on a eu un one-shot au niveau d'un subside pour les inondations. La structure des recettes du CPAS. Donc, on a en jaune la part communale par rapport au total des recettes. Nous avons la part des autres pouvoirs publics par rapport à nos recettes. En bleu ciel, c'est ce qui vient des ménages et en vert, ce qui vient des prestations. Pour avoir une idée de notre CPAS sur les 4 dernières années, on a ce tableau qui vous est présenté avec un nombre relativement stable au niveau des bénéficiaires du revenu d'intégration et des personnes aidées financièrement. Mais par contre, les aides nettes, eux, sont en augmentation par rapport à toutes les indexations et les besoins. Les personnes demandent plusieurs demandes d'aide sociale. Pour ce qui est des investissements maintenant au niveau de l'extraordinaire, il y a eu des achats d'ordinateurs portables, une machine à lessiver pour un logement, un bois l'air, une transpalette pour aider l'épicerie sociale, un nouvel escalier dans les logements à Mélin, une rénovation pour l'achat de chauffage électrique et on a, a eu des parts représentatives à l'intercommunal et CETIA. Tout ça a été financé sous fonds propres. Pour ce qui est l'état des réserves de nos provisions au 31 décembre 2021, le fonds de réserve ordinaire avait un montant de 235 403 euros. L'extraordinaire était à 143 094 euros. Voilà, je voudrais remercier au nom du Conseil de l'Action sociale le travail fourni au quotidien par les agents et notre directrice financière. Merci. Merci, Madame Thomassin. Avez-vous des questions sur les comptes du CPAS? Oui, c'est le chef. C'est vraiment pour être bien clair, mais j'aimerais entendre dire ce que je lis de la voix de Madame la Présidente. Donc, l'exercice propre se termine par un boni de 18 367 euros, c'est bien ça, dont parmi les recettes, il y a eu le fonds Covid pour un montant entre 252 000 en imputation et 322 000 en éléments, donc sonnants et trébuchants qui pourraient arriver et qui seront supposés imputés l'année prochaine, plus un montant des inondations.
Donc, le fonds Covid, en fait, a servi à payer des éléments, des actions qui sont quand même récurrentes au CPS. On pourrait dire que si on n'avait pas eu l'aide du fonds Covid et des inondations, vous seriez à plus de 300 000 en déficit. Est-ce bien comme ça que l'on peut lire le budget ? Enfin, non, les comptes, pardon. Puisqu'on est à 18 000, on a 252 000 de participation financière qui viennent du fonds Covid pour des aides psychologiques, des aides aux jeunes. Bon, ce n'est pas vraiment une action purement découlant du Covid en tant que telle, plus une somme des inondations que je ne connais pas, je n'ai pas été vérifié. Donc, si on arrive avec 18 000 de bonus à exercice propre, mais qu'on a eu entre 300, à peu près 300 000, on peut estimer que, autrement, la commune aurait dû réinjecter de l'argent pour un montant variant entre 250 et 300 000 euros. Est-ce que c'est une bonne lecture ? C'est, au niveau des actions récurrentes, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que la crise Covid a quand même fait émerger pas mal d'autres demandes au quotidien. Et donc, ces aides-là étaient certes nécessaires, mais de fait, ces aides nous ont permis à finir l'année avec un fonds de réserve ordinaire avec le montant qu'il était tel qu'il est. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Ok, nous procédons au vote qui est pour. Donc, c'est 16 plus 4 va pour, qui est contre et qui s'abstient. Et donc, deux abstentions. Citoyens égaux. J'aimerais donner un. Justifier oui. Simplement, on a voté pour, puisqu'en fait, nos représentants ont voté pour aussi, que c'est ouais. Un compte et que ouais. Le travail du CPS vaut la peine d'être soutenu. Donc, dans ce cadre-là, nous avons voté pour, même si on peut, sur la politique en général, ouais. Ne pas être tout à fait d'accord ouais. Ici. Tout à fait. Le travail du CPS vaut la peine. Le compte n'est pas politique. Tout à fait. OK. Polyméro 4. Approbation des premières modifications budgétaires du CPS pour l'année 2022. Madame Thomassin. Merci. Donc ici, la première modification budgétaire a été arrêtée au niveau du Conseil de l'Action sociale ce 8 juin 2022 et qui nous montre forcément la réalité de 2022. Ça ne majore pas la dotation communale, mais ça vaut la peine. Voilà, j'ai pris la peine de le présenter pour qu'on réalise la situation au niveau du CPAS. Donc, ce sera une présentation des recettes du service ordinaire, des dépenses du service ordinaire avec le Boni Mali, les projets extraordinaires et les fonds de réserve. Donc, en fait, au niveau des recettes du service ordinaire, on arrivera à un montant de 6 662 860 euros, avec des recettes de transfert pour un montant de 6 317 785 euros, les recettes de prestations 344 950 et 125 euros de dette. Je vais vous donner la répartition au niveau des recettes de transfert. Les recettes générales pour un montant de 2 758 879 euros. L'aide sociale est à 2 216 662 euros. La commission locale d'énergie, 436 090 euros. Le service de réinsertion socio-professionnelle, 365 116 euros. Le fonds pour un montant de 187 137 euros. Les initiatives locales d'accueil de demandeurs d'asile, 156 000. Le plan de cohésion sociale, 87 437 euros. Pour ce qui est de l'insertion sociale, 34 497. La médiation d'aide, 24 000. Les autres actions, 18 745 euros. L'administration générale, 16 700 euros. Et les autres recettes sont en divers pour un total de 16 429 euros. Si on regarde la variation des recettes du compte 2021 avec le budget, on a une augmentation au niveau des recettes de prestations de 53 441 euros. Les recettes de transfert, 604 899 euros. La dette, 96 euros. Donc la répartition, ça donne 44% pour les recettes générales. 35% l'aide sociale, 7% la commission locale d'énergie, 6% la réinsertion socio-professionnelle et 3% le fonds et les ILA.
pour ce qui est maintenant des dépenses, on aura un montant de 7 025 087 euros. Les dépenses de transfert s'élèveront à 3 898 747 euros. Pour le personnel, 2 530 025 euros. Au niveau fonctionnement, 594 349 euros. On a des dépenses de l'exercice antérieur pour 21 022 euros et les dettes pour 30 euros. Pour la répartition au niveau des dépenses de transfert, l'aide sociale a un montant de 3 165 522, la réinsertion socioprofessionnelle 333 181 euros, la commission locale d'énergie 272 599, les ILA 49 600, le service d'aide familiale pour 40 000, les autres actions sociales 18 745 et en divers, l'ensemble, le total des autres dépenses pour un montant de 19 054 euros. La répartition se fait pour 81% d'aide sociale, 9% la réinsertion socioprofessionnelle et 7% la commission locale d'énergie. Les variations, pour le personnel, on a un montant de 288 613 euros. En transfert, on atteint 574 548 euros. Le fonctionnement, 173 909. Donc, le budget 2022 avait un exercice propre de moins 150 000. La première modification budgétaire nous arrive à moins 362 226 euros. À l'exercice global, on a respecté ce que la commune nous a demandé. Nous sommes à zéro. Pour ce qui est des projets à l'extraordinaire, on maintient les projets et on a dû faire un switch par rapport à la rampe d'accès pour les PMR au niveau de notre local de plan de cohésion sociale, mais qui est totalement subsidié par le plan de cohésion sociale. Ce qui nous amène à la date d'aujourd'hui avec un fonds de réserve ordinaire à zéro, un fonds de réserve extraordinaire à 123 107 euros et un fonds ILA 18 051 euros. Au risque de me répéter, cette modification budgétaire a été faite dans des conditions difficiles par rapport aux services, à tous les agents au niveau du CPAS, qui, comme dans tous les CPAS, ont subi la crise Covid, les inondations et sont vraiment en surcharge. Je les remercie, ainsi que le Conseil de l'Action sociale. OK, merci Madame Thomassa. Avez-vous des questions? Oui, allez, on va commencer par Monsieur Kieris. Question et réflexion à la fois. Le CPS passe du monde gestion participative à un monde de gestion parapluie. Cela sera peut-être mieux demain. On diminue certaines aides que l'on devra sans doute réaugmenter lors des prochaines modifications budgétaires. C'était écrit texto dans le rapport d'une des réunions. Je m'explique. On vide le fonds de réserve 205 403 euros. Pour garder la modification en équilibre. Et ce, pour ne pas augmenter la dotation communale au CPAS de 2,4 millions pour 2022. Cela signifie que sans l'inscription du boni 2021, 130 460 euros, et les 205 403 euros du fonds de réserve, le résultat sera négatif de plus de 360 000 à mi-juin. Quitte de fin décembre. Ceci explique pourquoi le groupe PSID votera contre ses premières modifications budgétaires. Je pense qu'il n'y a pas besoin de long discours, pas besoin de représenter tous les chiffres qui ont été présentés. Ceci est un synoptique très clair de l'activité et de ce qui va se passer. Oui, vous voulez répondre directement, Madame Thomassa, ou on écoute tout le monde? Allez, on va écouter tout le monde. Oui, Monsieur Lebeau. Oui, pour un petit peu rebondir sur ce que M. Kieris vient de dire, c'est que lors des budgets qui ont été votés, on avait déjà émis des doutes quant aux 2 400 000 euros, en disant qu'on était beaucoup trop bas. Ça revenait aussi de notre conseiller CPS qui nous avait dit « Oui, avec 2 400 000, je ne pense pas qu'on y arrivera ». Et comme M. Kieris vient de dire, en mettant tous les œufs dans le même panier, mi-juin, on est déjà à zéro et on a plus rien. Donc c'est ça qui nous étonnait des 2,4 millions que vous nous aviez donné au budget.
Donc ici, c'est un peu, on va faire comme le PS, on votera contre, PSID, parce que le problème vient de là où on sait qu'on est mi-juin et que les caisses sont vides, qu'il va falloir trouver de l'argent je ne sais pas où, et les communes qui sont déjà endettées, voire qui vont avoir de gros problèmes financiers, ça ne va jamais qu'accentuer. Et alors ici aussi, on voit qu'on a des problèmes un peu comme au budget, on a des modifications budgétaires, mais on ne dit pas comment on va faire pour faire régresser ce problème-là et arriver peut-être à zéro au mois de décembre. Je ne vois pas comment, je ne vois pas comment on va arriver à le faire. Mais ici, on n'a aucune vision d'avenir sur ce qui est donné en explication ici. Merci. Oui, monsieur le chef. Oui, en dehors, au-delà des chiffres, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes très, très attentifs et très soucieux pour l'avenir du CPS. En effet, puisqu'il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de possibilité de remettre de l'argent du CPS vers le CPS, sachant que la commune, dans son boni général, n'a plus que 288 000 euros, on peut se poser la question, comment allons-nous faire fin d'année et pour le budget de l'année prochaine, puisque en casse de tête sur cette année, sans le 1,3 million qui venait des années précédentes, ce n'était pas possible, et ce 1,3 million, vous ne l'avez plus non plus. Donc j'attire ici l'attention de tout le monde. Il serait vraiment dommageable pour tous les sous-manières que, parce qu'on a des problèmes financiers, pour toutes, quelles que soient les raisons, je ne veux même pas juger du bien fondé d'une politique ou d'autre, mais que l'on doive supprimer des aides ou des choses qui ont été construites au fur et à mesure de l'action du social du CPS de Soumagne et qu'on en arrive à dire pour équilibrer un budget et pour sortir la tête de l'eau, on va sucrer les repas à domicile, on va sucrer le magasin ou on va sucrer des autres aides qui ne sont pas dans ce qui est l'obligatoire. Je voudrais donc ici en appeler à tous les membres du conseil communal, se dire que nos représentants au conseil du CPS se battent pour essayer de conserver toutes les actions que font le CPS et nous avons ici des conseillers communaux qui ont donné aussi de leur temps pour le conseil du CPS, il ne faudrait pas que ce que l'on est en train de lire aujourd'hui au niveau des comptes soit un désastre au niveau de l'aide sociale sur Soumagne, soit en fin d'année, soit en début d'année, l'année prochaine. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non? Ok, Madame Thomasin, on vous écoute. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas tout le pouvoir au niveau des décisions du CPS. On subit comme beaucoup de fois les décisions d'ailleurs. Donc la première décision qu'on a subie, c'est le fédéral qui augmente, et ils ont raison d'augmenter le revenu d'intégration. Donc en fait, de 2020 à 2024, sur 4 ans, on va augmenter de 8% le revenu d'intégration. Donc ça, le fédéral donne de l'argent aux bénéficiaires, mais n'en a pas donné de subsides complémentaires au niveau du CPAS. Donc ça, dès 2020, on a tiré la sonnette d'alarme au niveau du CPAS en disant « attention ». Après, on n'est pas non plus responsable, on arrive à 8% d'indexation au niveau de la masse salariale, mais qui dit l'indice pivot qui saute, dit augmentation des allocations. Donc en plus de ces 8% sur 4 ans que le revenu d'intégration fait en dépenses, on a tous les indexations qui viennent d'arriver également. Donc, pour le moment, la volonté est vraiment de maintenir la politique sociale comme elle est créée à Soumagne. Mais on est tout à fait conscient qu'on a beaucoup de missions non obligatoires, mais que la volonté est de préserver. Donc voilà, on va retrousser nos manches, on va trouver des solutions. Mais la volonté, c'est de ne mettre personne au bord de laisser personne au bord de la route. Oui, Monsieur Lebeau. J'entends bien ce qui est dit ici, mais c'est quand on demande comment, c'est la faute du fédéral. On demande comment est-ce que vous allez, quels sont les leviers que vous allez utiliser pour essayer de ne pas vous engouffrer dans un trou qui est béant et où il risque d'avoir des problèmes, comme Monsieur Delchef disait, on va devoir supprimer certaines aides. Maintenant, c'est de savoir comment vous allez faire. Comme vous dites, ça fait 4 ans que vous savez, 4 ans, depuis 2020, vous savez qu'il va y avoir des augmentations. Oui, on l'a subi, oui, d'accord. On sait que ça va augmenter, oui, ça va augmenter, mais on ne nous donne pas d'informations de dire
pour éviter d'avoir des augmentations encore importantes d'ici la fin de l'année, on va mettre ça en place, on va mettre ça en place, on va mettre ceci, on va essayer de voir. Et ici, rien. On va regarder, on va retrousser nos manches. Je ne sais pas si ça retrousse ses manches que ça va fonctionner. Hein. Ce débat-là de fond, il va avoir lieu au niveau du Conseil de l'Action sociale et je reviendrai ici au Conseil communal pour préciser. Je crois que, en fait, Monsieur Lebeau, ce qui se passe au CPS, c'est la même approche qu'on a à la commune, c'est que, on utilise le système du budget base zéro. Ça veut dire qu'on se repose les questions sur chaque allocation et sur la consommation réelle qu'on fait sur chaque allocation. C'est une technique qui est aussi appliquée actuellement au niveau de la région wallonne. Ça veut dire qu'on ne perpétue pas automatiquement les différentes allocations, mais on se pose la question de savoir exactement si le budget correspond à l'utilisation qu'on en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des variations, parce qu'on essaie d'avoir un budget en fait, qui est juste et qui est conforme à l'utilisation qui est réalisée. Et donc ça, on essaie de le faire, au niveau des deux institutions. Et donc, quand vous dites comment est-ce qu'on compte faire, ça c'est déjà une technique d'optimisation budgétaire qu'on est en train d'utiliser, pour essayer de cadrer et de tenir l'équilibre au niveau financier. Et pour compléter ce que Mme Thomas a dit aussi, n'oubliez pas que le CPS est fortement concerné et touché par l'augmentation de l'énergie aussi. La commune aussi également, mais le CPS doublement, parce qu'il y a également toutes les aides énergie qui augmentent au vu de l'augmentation des factures. Et donc il y a des enjeux là-bas qui sont extrêmement importants. Et qu'on compte évidemment rencontrer et surmonter. Oui, monsieur le chef. Oui, je vous entends bien, mais on est quand même interpellé quand on lit les documents qui nous ont été fournis, des remarques qui ont été faites par les responsables, je ne parle pas de madame la présidente, mais les responsables administratifs du CPS, où on dit on a mis le budget à zéro à la demande de la commune. Alors, bon, voilà, ok, madame la présidente l'a dit aussi. Moi, ce qui m'inquiète, vous dites on a déjà fait un travail, tant au CPS qu'à la commune, pour vérifier les dépenses et essayer de les ajuster au plus juste. Ici, on n'est plus dans ce schéma-là. On est dans un schéma où on n'est plus dans l'ajustement vers le bas, en essayant de limiter. On est déjà en deux de ça, de ce que l'on devrait avoir, puisqu'on est à moins 362 000 et qu'on va compenser ça. Donc, vous saurez déjà, a priori, ou alors j'ai vraiment mal compris votre travail, mais... Si vous essayez de garder les montants, le minimum de ce que vous avez besoin pour tenir, là, vous êtes déjà en dessous du minimum, puisque vous êtes en négatif. Donc, ce que vous venez d'expliquer là, c'est que ça n'a pas fonctionné, puisque vous n'avez plus l'argent, il n'y a plus rien. C'est à zéro sur le CPS et 288 000 pour la commune. J'espère que vous ne dépenserez pas tout ce qui était prévu et qu'on pourra récupérer de l'argent. Mais donc, le problème, il n'est même pas de dire on va analyser les chiffres et essayer de ne dépenser que ce qui est nécessaire. Il n'y a déjà plus l'argent pour dépenser ce qui est nécessaire, puisqu'on est en négatif. Donc, monsieur le bourgmestre, on n'est plus dans cette étape-là. Vous êtes déjà... Le gouffre, vous avez déjà mis le pied dedans, c'est ça. Et c'est pour ça que je le redis. Il faut que la présidente défende les budgets du CPS envers la commune et que ce ne soit pas la commune qui vienne dire « Vous mettez ça à zéro et vous débrouillez. » On est dans de l'aide sociale et c'est à la commune à faire ce qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que le CPS... fasse toutes ces actions qui sont nécessaires pour le peuple. Voilà. Oui. Madame Thomas. Je veux dire que simplement que la commune n'a pas dit « vous vous débrouillez », ça a été analysé avec les directrices financières et en concertation. Voilà, c'était des choix à un moment donné. C'est un choix politique de mettre à zéro, on est bien d'accord. Hein, oui, maintenant, ben... quand la directrice financière écrit textuellement que... on va devoir refaire des modifications budgétaires pour compenser. En résumé, nous sommes dans une situation plutôt catastrophique, car nous sommes en déficit de 362 228 et nous n'avons plus de fonds de réserve à l'ordinaire. Et trois lignes plus haut, il va falloir faire des modifications budgétaires, une deuxième phase. Si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas avec les pompiers en train d'essayer d'éteindre un incendie, je ne sais pas ce qu'il vous faut comme information. Donc voilà, moi je crois que la maison brûle et il est temps de franchement agir. Oui. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de suppression d'aide sociale. Donc ça, soyons clairs. Alors peu importe quelle est votre interprétation... Ce ne serait pas légal. Donc il y a des choses, comme l'a dit madame la présidente... Et comment ça, ce ne serait pas légal ? De supprimer de l'aide sociale. Il y a tout le non-obligatoire et ça, c'est un choix politique. Donc, on est bien d'accord. Donc vous ouvrez déjà la porte à supprimer tout ce qui était construit. Mais enfin, voilà. Je viens de vous dire pile l'inverse. Écoutez, on va arrêter de parler parce que manifestement, vous n'avez pas envie de nous entendre. Donc je répète, il n'y aura aucune... Mais non, mais...
Donc, attends, ça fait un quart d'heure que vous dites qu'on va supprimer les aides sociales. Donc moi, je vous dis non, on ne supprimera pas d'aides sociales. Et le budget qu'on vous propose ici comprend toutes les aides obligatoires et les aides non obligatoires. Et quand vous dites, vous n'avez pas le choix, évidemment qu'on a le choix. Et notre choix, c'est de maintenir les aides sociales. On en prend bien acte, je vous remercie. Voilà, notez-le. Et n'hésitez pas à nous dire ce qu'on supprime aussi, parce que... Et on vous écoute. La moindre des choses, c'est au moins d'écouter ce qu'on a à dire aussi. Hein. Et dans le respect, s'il vous plaît. Eh oui, monsieur le chef, dans le respect. Je ne suis pas respectueux, monsieur le bourgmestre. Que viens-je faire Expliquez-vous, là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Monsieur le chef, quand on vous explique quelque chose et que vous n'écoutez même pas ce que je viens de vous dire, vous me contredisez dans la seconde après mon explication. Alors, est-ce que vous m'écoutez? La réponse est non, monsieur le chef. Et ça, c'est un manque de respect. Vous voulez qu'on continue ou... Oui, je peux vous écouter et ne pas vous comprendre ce que vous dites. Ça, c'est possible. Oui, ça, certainement. Alors, y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Ok, nous procédons au vote. Qui est pour? 16 pour, qui est contre? Et 6 contre, opposition. Alors, point numéro 5, plan d'investissement communal et plan d'investissement mobilité active et intermodalité, donc PIC-PIMACI 2022-2024. Il s'agira d'un vote. Monsieur Azewoutz. Nous proposons au vote ce soir le plan d'investissement communal, PIC, et le plan d'investissement mobilité active et intermodalité, PIMACI 2022-2024, ainsi que les fiches correspondantes établies par les services communaux. La région Wallonne octroie aux communes un subside pour la mise en œuvre du plan d'investissement communal. Pour la commune de Soumagne, il s'agit d'un montant de 668 186,82 €. Pour le PIC. Nouveauté cette année, la région octroie désormais, en plus du PIC, un subside de 177 507,47 € pour la mise en œuvre d'un plan d'investissement en mobilité active et intermodalité, d'où l'acronyme PIMACI, afin de privilégier des aménagements qui favorisent la mobilité active quotidienne cyclable et piétonne, ainsi que l'intermodalité. C'est une nouveauté. D'ailleurs, la région, on sent bien qu'elle tâte encore un peu aussi le terrain. On a déjà eu des réunions ou des mails avec des choses qui nous avaient été dites et puis qui ont été un petit peu changées. Donc, nous ne sommes évidemment pas à l'abri dans les prochaines semaines, voire mois, où il y aura peut-être des petites modifications qui seront imposées ou rectifiées ou amendées et qui feront qu'on devra aussi s'adapter en fonction de ce qu'on nous demandera. La commune doit, quand cela est possible, combiner plusieurs sources de subsides différentes. Donc, par exemple, si une commune envisage la réfection d'une voirie de façade à façade, elle doit avoir recours à l'enveloppe du PIC pour la réalisation de l'espace qui va être dédié aux véhicules automobiles, bandes de circulation et zones de stationnement, mais elle doit aussi utiliser l'enveloppe du PIMACI pour la réfection des trottoirs et l'aménagement d'une piste cyclable. Cette combinaison de subsides est possible parce qu'évidemment les deux procédures de subsides suivent le même processus et sont toutes les deux gérées par le département des infrastructures locales du SPMMI. La mise en commun des moyens du PIC et du PIMACI va donc permettre aux communes de réaliser des projets intégrés qui favorisent une meilleure prise en compte de l'ensemble des usagers de l'espace public tout en encourageant les modes de déplacement plus durables. Tous les investissements qui sont éligibles dans le cadre du PIMACI sont également éligibles dans le PIC. L'inverse n'est pas vrai. C'est pourquoi les aménagements d'un trottoir ou d'une piste cyclable pertinents aux déplacements piétons et cyclistes devront prioritairement être envisagés dans le PIMACI. Et si l'enveloppe budgétaire de ce dernier est complètement utilisée, l'investissement entrera alors dans le cadre du PIC. Il faut savoir que le PIC, c'est une subvention de 60%, le PIMACI, c'est 80%. La procédure pour le PIC-PIMACI 2022-2024, reprise dans les dites circulaires, impose également aux communes d'établir un projet de plan d'investissement dont le montant total des parts subsidiables doit être équivalent à 1,5 à 2 fois le montant pour la PIC et 4 à 4,5 fois le montant de la subvention PIMACI. Concernant la subvention PIMACI, en plus de ça, rien n'est simple, elle doit en plus être répartie dans le respect de certaines proportions, à savoir 50% pour les aménagements cyclables, 20% pour les aménagements piétons et 30% pour l'intermodalité, ce qui rend donc d'autant plus complexe l'établissement de ces pics PIMACI. Pour établir ce plan d'investissement, donc les services communaux ont réparti de façon systématique les dépenses entre voirie, vélo, piéton et intermodalité en fonction du PIC et PIMACI. Donc on a systématiquement, quand on avait un aménagement prévu, on a réparti la partie sur le PIC pour la voirie et tout ce qui était piéton, cyclable, intermodalité pour le PIMACI. Le montant total repris dans le cadre du PIMACI est donc fatalement supérieur aux 450% qui sont alloués par la région et qui nous sont demandés,
puisque au fur et à mesure que les projets vont avancer, on va évidemment rectifier le PIC PIMACI, le transfert, sachant de toute façon que les enveloppes sont fermées, qu'on ne pourra donc pas demander et prétendre plus que ce que le subside nous permet d'avoir. Alors les différents projets qui seront donc repris dans le PIMACI sont les suivants. Premier projet, je précise évidemment que projet de PIC PIMACI, c'est toute une série de projets. On sait très bien que dans ceux-là, tous ne seront pas réalisés, que certains vont évidemment tomber en fonction des montants qui seront exigibles, en fonction des subventions. Et on sait très bien que quand on prévoit une liste de projets, il en restera à la fin quelques-uns et pas tous ceux-là. Mais enfin, bon, je vais citer tous ceux qui sont pour le moment présents. La réfection et l'aménagement de la rue militaire. En effet, on a une très grande dégradation. Et en plus, elle est reprise dans notre réseau cyclable global, donc pour un montant de 988 600. Deuxième projet, c'est l'aménagement et la réfection de la rue de la Paix. Même chose, rue de la Paix, grande dégradation, aucun itinéraire piéton sécurisé, alors que pourtant, elle se situe à proximité immédiate de l'atelier de Soumagne et au sein du centre administratif et commercial de la commune, pour un montant estimé de 499 600 euros. Les quatre projets suivants sont liés au projet de réfection du centre de Soumagne-Vallée, place Matteotti, place Ferrer, qui est repris dans le plan EFRA et mobilité pour tous. Il faut savoir évidemment que comme c'est un subside régional, elle va couvrir uniquement les parties régionales, mais qu'on a en annexe différentes voiries communales qui vont être évidemment contiguës au projet et qu'il sera donc important de pouvoir réfectionner, d'améliorer, et notamment l'égouttage. Et donc c'est pour ça que dans le PIC PIMACI est prévu un montant de 835 000 euros à charge de la SPGE, donc pour l'égouttage, de Soumagne-Vallée. Donc ça, la commune n'interviendra pas, on est sous une voirie régionale, c'est uniquement en charge de la SPGE. On a évidemment un montant de 229 900 euros pour la réfection de l'aqueduc de Trou du Bois et l'aménagement d'un espace partagé rue CF-Yacre, qui est évidemment en lien direct avec l'aménagement de Soumagne-Vallée. La réfection de l'égouttage et une partie donc, de la voirie en surface de la rue Alretraite de Fouisseau pour un montant de 157 200 euros, dont une partie à la charge de la SPGE 100 000 euros. La réfection des trottoirs de la rue aux Luxembourg pour un montant de 131 200 euros. On a évidemment dans le PIC PIMACI maintenant d'autres choses qui ne sont pas en lien avec Soumagne-Vallée. C'est la réfection extraordinaire de la couche de surface des rues sur les cahiers près à la cour, parce que la dégradation superficielle est assez importante, pour un montant estimé de 298 500 euros. On l'avait déjà prévu au PIC précédent, on le remet dans celui-ci, puisqu'on avait toujours dit que ce serait en lien avec les travaux Michereau-Chapelle et qu'on ne le ferait qu'à partir du moment où Michereau-Chapelle serait terminé, ce qui est le cas. Ensuite, huitième projet, réfection extraordinaire et aménagement en faveur des cyclistes rue Célestin-d'Amblon. Là aussi, on a une dégradation superficielle. On a aussi un itinéraire intéressant au niveau cyclable qui est repris pour notre commune par la rue Célestin-d'Amblon. Il faut savoir que dans le cadre de l'aménagement du lotissement qui est en cours, il y a aussi des charges d'urbanisme et donc il y a un trottoir qui va être fait. Neuvième projet, la réfection extraordinaire de la voirie et des trottoirs rue d'Outremont. Là aussi, on avait promis que lorsque la place de la gare serait terminé, on pourrait se pencher sur les problèmes de trottoirs et de la rue d'Outremont. En effet, on a beaucoup d'endroits où c'est non conforme. Il y a une partie de tronçon, ça va, mais pas tout. Et donc, il est important, alors qu'on est en plein cœur du centre administratif et commercial de la commune, de pouvoir réfectionner. Donc, montant estimé de 223 400 euros. On a l'aménagement d'un espace partagé rue entre deux rues. Là aussi, on a un espace assez étroit. On avait rencontré les riverains qui n'étaient pas favorables au départ à mettre un sens unique. Et donc, on proposerait un espace partagé qui pourrait être une solution intéressante puisqu'on est en plein centre de la commune. C'est un tronçon d'itinéraire piéton essentiel puisqu'il permet de relier le centre administratif de la commune, le centre sportif, la place de la gare et le Ravel, avec l'avenue de la Résistance et l'Athénée. En plus, le trafic motorisé ne peut pas être stoppé dans cette voirie étroite. Il est donc nécessaire de pouvoir l'aménager afin que tous les usagers puissent y circuler en toute sécurité. Onzième projet, c'est la réfection extraordinaire et aménagement en faveur des cyclistes ainsi que des placements d'îlots de ralentissement à la rue de Wergifoss. Là, on est vraiment dans le cadre de l'intermodalité, puisqu'évidemment, le parking de covoiturage permet justement de correspondre à cette intermodalité. Maillot essentiel aussi du réseau cyclable, puisqu'on aurait bien aimé avoir un itinéraire qui viendrait de Soumagne-Vallée, qui puisse, par la rue Wergifoss, rejoindre ce fameux parking de covoiturage, la ligne Tech, qui est toute proche et à haute fréquence, et le Ravel, quand on traverse la route, on arrive directement au Ravel. Et enfin, les trois derniers projets sont des aménagements en faveur des cyclistes, dans trois rues qui ne sont pas reprises spécialement dans le PIWACI, mais qui sont dans notre réseau cyclable global, comme la rue de la Chapelle, puisque évidemment c'est un maillon pour rejoindre le Ravel au départ de Michereau-Chapelle qui vient d'être terminé, avec une traversée prévue pour les cyclos et les piétons.
Et alors, également, des aménagements pour les cyclistes, rue Haute et rue de la Citadelle, puisque là, évidemment, on est à proximité du centre du village de Mela, de l'école primaire, et ça permettrait comme ça de pouvoir avoir un itinéraire plus sécurisant. Considérant, comme je l'ai dit, que la part de dépenses couverte par le subside régional est donc de 60% pour le PIC, 80% pour le PIMACI, il est donc demandé au Conseil communal d'approuver la proposition du plan d'investissement communal et du plan d'investissement mobilité active et intermodalité que je viens d'exposer, ainsi que les fiches d'avant-projet relatives à ces projets s'y annexés. Je vous remercie. Merci, M. Zewoutz. Avez-vous des questions? Allez, M. Lebeau. Oui, c'est pas tellement par rapport aux projets qui sont mis en place, c'est surtout un petit peu par rapport à ce qui se passe autour. Donc les points 5, 6 et 7, pour nous, ça aurait été pas mal d'avoir une commission, parce que c'est quand même des points très importants. Et oui, on vous entend bien des projets que vous allez faire, mais c'était pas mal d'avoir une commission bien avant. Par rapport aux fiches que vous faites et aux réalisations que vous voulez faire, voir si c'est... si vous avez des fiches qui sont déjà préparées à l'avance, ou si c'est des demandes de riverains, ou si c'est uniquement le service. Et alors, dedans, ben, j'avais envoyé un mail à M. le bourgmestre il y a un mois, concernant la rue de la Clé, je vois qu'il n'y en a pas dedans non plus. Un mail là où il y a des gros problèmes, une fois qu'il pleut un petit peu dans cette rue-là, où il y a des inondations. Et M. le bourgmestre m'avait dit qu'il me répondrait, j'ai toujours pas l'info, mais bon. Oui, ça va. Voilà, parce que là, j'ai aucune info, donc c'est pour ça que je reviens ici sur cette rue-là qui est très, très souvent inondée. Et donc, voir un petit peu ce qu'il en est de cette rue-là. Et voilà, c'est principalement ces questions. Alors, concernant la commission, bah, c'est vrai, quand on a présenté l'année passée dans une commission l'aménagement de Soumagne Vallée, on avait déjà dit qu'il y aurait des connexions au niveau des barrières communales qu'il faudrait évidemment faire, donc c'est pour ça qu'on les a mises dedans. Par rapport aux riverains, etc., oui, notamment la rue militaire et la rue de la Paix, on a eu pas mal de demandes, on a eu pas mal de problèmes à la rue militaire, on sait qu'il y a toujours un affaissement à certains endroits, on avait dû bouger les casse-vitesse parce que ça risquait d'endommager les façades des maisons avec les camions, ça faisait beaucoup de bruit, donc c'est pour ça qu'on les a on a enlevé, qu'on a mis des chicanes permettant évidemment de pouvoir faire quand même un effet de ralentissement. Et alors, je ne sais plus la troisième question, si c'était... La rue de la Clé. La rue de la Clé, ça va peut-être servir pour Monsieur Bourgmestre, alors. Oui, Monsieur Lebourg. Donc, de fait, je vais vous répondre. Donc, ici, il y a... Donc, ça fait des mois qu'on travaille sur ce dossier-là dans le cadre du plan anti-inondation. Et donc, c'est le géomètre expert de la commune qui traite le dossier. Et donc, là, ici, on est en train de finaliser les plans, mais donc, on a une proposition à faire à la région wallonne concernant une connexion au niveau de l'égouttage. Voilà. Donc je vous enverrai, enfin dès que j'ai les plans de la part du service, je vous les envoie. Donc l'idée c'est de permettre donc une évacuation des eaux de la petite rue de la Clé vers la rue de la Clé, donc sur la deuxième partie de l'égouttage de la voirie régionale. Mais je vous enverrai les plans. Oui, Monsieur Zewoutz. Oui, si je peux me permettre, pour revenir sur la commission, on refera évidemment une commission quand on aura vraiment les projets qui seront vraiment désignés, comme on l'avait fait l'année passée pour la rue du Centenaire et la rue. Donc on ne vous oublie pas, de toute façon, il y aura présentation des projets, ceux qui seront vraiment en train d'être mis en exécution en fonction de ceux qui seront retenus dans le cadre de ce PIC PIMACI. Monsieur Kéris. Il est très clair que tous ces projets ne seront pas réalisés. On est un peu dans le même cas de figure qu'en 2019, quand vous avez présenté toutes les réflexions de voirie, quand vous avez dit qu'il y en a les deux tiers qui ne seraient pas faites de fait. Ici, alors la question que moi je me pose, comment va-t-on prioriser en fait, on va prioriser en fonction notamment de fameuses enveloppes PIC et PIMACI, en fonction des totaux, quand on aura pu avoir des métrés chiffrés plus précis avec les chiffres du marché qui nous permettront de nous dire, vu l'enveloppe dont on dispose, on s'est réalisé pour autant de millions, autant de centaines de milliers d'euros les projets. Nous, on a déjà dans cette liste-ci certains projets qui nous sont plus prioritaires que d'autres. Mais comme déjà à ce stade-ci, on nous demande de prévoir entre 150 et 200% du montant subsidiaire pour le PIC et entre 400 et 450% du PIMACI, il est évident qu'on a mis d'autres projets qui pourraient être pertinents, mais qui déjà, à nos yeux, ne sont pas les plus prioritaires. La priorisation sera quand même faite en fonction du degré d'urgence de la situation. Bien entendu, et de la dégradation des voiries qui sont envisagées. Merci. Et si je peux me permettre aussi, on n'exclut pas non plus, s'il y a d'autres voiries qui venaient à être nécessaires de faire un clash pause, au niveau du budget, si on a les possibilités, de pouvoir aussi en mettre d'autres au budget, comme on a fait cette année avec la rue Ardoncourt, comme on a fait aussi et qu'on va faire pour la rue Portal-Planche et la rue des Orges, par exemple.
Y a-t-il d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Ok. Nous procédons au vote qui est pour unanimité. Je vous remercie. Alors, nous poursuivons. Point numéro 6. Marché public, Pivoissy 2021, aménagement de chemin pour les rendre accessibles au mode actif. De conditions, mode de passation, estimation. Monsieur Azoubout, on continue. Donc notre commune a été retenue commune pilote Wallonie Cyclable et dispose de 500 000 euros pour promouvoir l'usage du vélo au quotidien. Nous avançons et proposons au vote ce soir le cahier des charges établi par les services techniques et mobilité pour l'aménagement de 6 chemins, ceux qu'on avait déjà présentés dans les fiches rectificatives du Pivoissy, pour les rendre accessibles au mode actif. Donc le marché est divisé en 2 lots. Le lot 1, c'est les aménagements d'une bande béton de 2 mètres sur les 3 chemins suivants. Je reprécise pour ne pas refaire un débat que le 2 mètres, on aurait préféré moins, mais c'est le minimum qu'on nous impose, 2 mètres. Donc chemin militaire rue du Thiers, chemin Fauté rue Campagne et le chemin du Faté rue des Pépinières. Pour un montant estimé à 418 842,50 € hors TVA ou 500 799 € TVA comprise. Et le lot 2 pour la pose de revêtements hydrocarbonés sur les 3 chemins suivants. Donc on a 2 accès au Ravel depuis la N3. Donc un depuis la N3 jusqu'au Ravel et un celui du Ravel jusqu'à la rue Laboux. Et la fameuse jonction rue de l'Égalité rue des Prairies qui seront donc là 2 mètres de large. Et pour le Ravel, c'est 2 mètres 50. C'est une imposition de nouveau du gestionnaire du Ravel pour un montant estimé à 160 298 € TVA comprise. Le montant global estimé du marché s'élève donc à 667 097,84 € TVA comprise, dont 432 318 € de subside. Et donc demander au Conseil communal d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché, de passer le marché par la procédure ouverte, de solliciter une subvention pour ce marché auprès du SPW Mobilité Infrastructure, de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national et de financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de l'exercice 2022. Je vous remercie. Merci, M. Azoubout. Avez-vous des questions ? Non ? Pas de questions. Nous procédons au vote. Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Point numéro 7. Plan de relance de la Wallonie 2021. Donc 3.5.4, valorisation des biens à haute valeur patrimoniale. Adhésion à l'appel à projet. Et donc là, il s'agit d'une prise d'acte. Madame Godfirnon. Vu la circulaire de l'Agence wallonne du patrimoine relative au plan de relance 2021, c'est par rapport à la valorisation des biens à haute valeur patrimoniale. Vu la délibération du Collège communal du 25 mai 2022 décidant de répondre à l'appel à projet susvisé, vu le dossier de candidature tel que dressé le 24 mai 2022 par le service communal du patrimoine et l'association momentanée Convergence Architecture et Thierry Biron Architecte, SPRL, considérant que le montant des investissements est évalué à 6 803 471 € hors TVA, dont 2 422 792 € à charge du budget AWAP pour le plan de relance de la Wallonie 2021, valorisation des biens à haute valeur patrimoniale. Également, dont 2 940 136 € pour les travaux plan de relance Wallonie 2022, volet rénovation énergétique des bâtiments. Il resterait à charge de la commune 2 360 485 €. Considérant que le crédit nécessaire à la réalisation de ces premières études est inscrit au budget extraordinaire pour l'exercice 2021 et qu'il est financé sur fonds propres, considérant que le dossier de candidature, valorisation et rénovation du site Société Générale Coopérative, c'est-à-dire les bâtiments coopératifs et villas, a été transmis par voie électronique le 30 mai 2022 par le service communal du patrimoine à l'Agence wallonne du patrimoine, on demande au Conseil de prendre acte de la délibération du Collège communal du 25 mai 2022. Relative à la participation de la commune à cet appel à projet
et de l'introduction du projet ayant pour objet valorisation et rénovation du site, bâtiments coopératives et villas, tels que dressés conjointement par le service communal du patrimoine avec Convergence Architecture et Thierry Biron, architecte SPRL. Voilà. Merci, Madame Lichfine. Avez-vous des questions? Oui, Monsieur Lebeau. C'est pas tellement une question, mais on parlait de valeur patrimoniale et de très haute valeur patrimoniale. C'est plus une boutade, mais les plaques commémoratives sur la commune, est-ce qu'on ne pourrait pas les mettre dedans, vu qu'on ne voit toujours rien après plus d'un an et demi de morde? Ça avance. Le dossier est en train d'être réalisé. On espère avoir fini pour l'été. Voilà, et je peux même compléter, c'est à l'heure du jour du collège. Il y a un point qui est à l'heure du jour du collège de mercredi. Donc, merci. Pour la plaque de Féché, exactement. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Voilà, c'était une prise d'acte, donc nous passons au point suivant. Point numéro 8, création de construction groupée rue Labouxe à Mélin, donc SPRL Solimo, et création de voirie à Côtement, zone de stationnement, Venelle, espace vert, réseau d'égouttage et bassin d'orage, et établissement de servitude. Donc il s'agira d'un vote. Monsieur Azevout. Donc la SPRL Solimo nous sollicite pour valider de légères modifications par rapport au permis qui a été attribué notamment en 2018 pour tout ce qui était le volet voirie et pour la phase 1. Et alors, quand on a attribué la phase 2 en 2020, il avait été fait quelques petites demandes au niveau de la placette et de sentier piéton. Et donc justement, ces petites modifications sont en lien avec ça. Donc les modifications sont la régularisation d'une petite placette dont la superficie a été réduite de 60 cm en profondeur, ainsi que la modification d'un sentier piéton qui permet de relier la phase 1 et la phase 2, dont le tracé a été adapté pour se superposer de manière pratique à celui des raccordements techniques en sous-sol. Donc vous avez joué le plan de géomètre. Considérant que les modifications sont justifiées évidemment au regard des impositions du collège communal émises lors de la phase 2 du projet immobilier, des impositions techniques en matière d'aménagement de voirie et des servitudes établies par les impétrants et les diverses instances consultées lors de la présente demande de permis. Il est donc demandé au conseil communal d'émettre un avis favorable à ces deux petites modifications par rapport aux voiries prévues initialement en 2018 de la SPRL Solimo, conformément au plan rectifié du 13 janvier 2022, d'émettre un avis de principe favorable à l'acquisition à titre gratuit et pour cause d'utilité publique de tous les espaces publics susvisés, emprises et servitudes y attenantes. Et l'acte d'acquisition ne pourra évidemment être passé qu'après réalisation des travaux réceptionnés à l'entière satisfaction du collège communal. Je vous remercie. Merci, M. Zewout. Avez-vous des questions? Pas de questions. Nous procédons au vote qui est pour unanimité. Je vous remercie. Point numéro 9. Création et modification de voirie communale dans le cadre du permis d'urbanisme SA Général Construction, requête au Conseil d'État, ratification, et il s'agira d'un vote. Monsieur Azevout. Donc au précédent Conseil communal, je vous informais que suite à l'avis de notre Conseil juridique, le Collège communal avait décidé d'introduire un recours au Conseil d'État contre la décision du gouvernement wallon autorisant les modifications et créations de voirie pour le projet urbanistique situé rue Longue-Voie à Haineux, afin de solliciter l'annulation de cet arrêté ministériel du 22 mars adopté par le ministre Borsu. En raison des délais impartis, il est demandé aujourd'hui au Conseil communal de ratifier la décision du Collège communal du 4 mai 2022, décidant d'introduire ce recours en annulation auprès du Conseil d'État et de confirmer donc la désignation de Maître Wimmer pour défendre les intérêts de la commune. On ne l'a pas passé la fois passée au Conseil communal, puisque le projet de recours nous est parvenu le 22 ou le 23 mai, donc après le conseil communal la fois passée, et comme rien nous imposait donc vous délai de le passer tout de suite, on préférait que vous ayez la pièce jointe aujourd'hui, c'est pour ça qu'on le passe ce mois-ci. Je vous remercie. Merci, M. Azevout. Avez-vous des questions? Oui, M. Lebeau. C'est pas sur le fond, c'est plus ici, régulièrement sur les PV qu'on reçoit du collège et encore aujourd'hui, on a toujours le même avocat. Donc ça me semble un peu bizarre d'avoir toujours le même, surtout que je ne sais pas si c'est un cabinet ou s'il est seul, parce que déjà de Welkenrad, je pense qu'il y en a quand même plus près. Et la deuxième chose, c'est que souvent les avocats sont bien dédiés à certaines matières, et ici c'est chaque fois lui. Donc je vois moi qui aurait raté qu'il y avait un appel à candidature à un moment donné, c'est ça que je demandais un petit peu. Merci. C'est sur base de marché public de toute façon, et il faut dire que
Notre conseiller générique ici est très, très spécialisé justement en urbanisme. J'ai eu la chance d'ailleurs de suivre une de ses formations pour le code d'été. Donc c'est quelqu'un qui est justement bien, bien, bien au courant de toute cette thématique qui touche à l'urbanisme. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Ok, nous procédons au vote qui est pour. Donc unanimité, je vous remercie. Point numéro 10, donc plan communal d'action logement 2014-2016, aménagement de logement transit rue de l'égalité 446 à Soumagne. Rapport annuel, il s'agira d'un vote. Madame Thomassin. Merci. C'est la première fois qu'on a ce point-ci au Conseil communal et c'est le premier d'une longue série annuelle. Donc nous sommes, pour rappel, dans le cadre d'un arrêté de gouvernement wallon de 2012, considérant que les travaux étaient dûment réceptionnés, que la convention visant à mettre à disposition à titre précaire au CPS de Soumagne les logements de transit aménagés par la commune, que cette convention est intervenue entre les parties en date du 14 avril 2021, qu'elle est conclue pour une durée de 15 ans, en vue d'y loger des ménages répondant aux conditions d'octroi prévues en cette matière, qu'elle prévoit un accompagnement social des 10 ménages par le CPAS et l'obligation d'un rapportage annuel. Vous avez en annexe du point ce rapport conjoint du service social du CPAS et du service communal du logement. Donc il vous est demandé ce soir, il vous est présenté, pardon, le rapport annuel relatif à l'occupation du logement de transit de la rue de l'égalité 446 à Soumagne et à l'accompagnement social des ménages l'ayant occupé pour la période de 2021. Merci. Voilà, merci Madame Thomas. Avez-vous des questions ? Nous procédons au vote qui est pour unanimité. Je vous remercie. Alors on continue dans le même domaine. Donc, point numéro 11, plan communal d'action au logement, donc 2014-2016, c'est la même chose, aménagement de logement transit, mais là, c'est le deuxième logement transit, donc c'est rue des Trois Chênes, 64 NE, rapport annuel, approbation, et il s'agit d'un vote. Madame Thomassin. Donc, c'est exactement le même cadre, comme vous venez de le dire, et pour un logement rue des Trois Chênes 64, et donc vous aviez en annexe du point le rapport conjoint du service social du CPS et du service communal du logement. Donc, vous vous avez présenté le rapport annuel pour la période de 2021. Merci, Madame Thomas. Avez-vous des questions ? Il n'y a pas de questions. Nous procédons au vote qui est pour unanimité. Je vous remercie. Point numéro 12. Alors, convention de partenariat entre le Samjavias et la commune de Soumagne. Alors, ce qui se passe ici, c'est que nous avons reçu une proposition de l'Institut Vias pour le département Samja. Donc, c'est service d'accompagnement des mesures judiciaires alternatives. Et ce qu'ils proposent, donc, c'est la prise en charge de personnes condamnées à une peine de travail pour infraction de roulage. Et donc, ça je précise, c'est uniquement pour les infractions de roulage et pas évidemment pour le reste. Alors, donc il y a plusieurs avantages à ce partenariat. Le premier, c'est que donc ça permettrait d'accueillir des justiciables pour qu'ils puissent effectuer leur peine de travail, donc au sein des services communaux. Et donc là, ce serait donc différentes tâches. Il n'y a pas que le service travaux, il y a aussi du travail administratif qui pourrait être réalisé. Alors, il y a les tâches plus classiques, entretien des voiries, trottoirs, travaux de sécurisation, etc. Et donc, évidemment, ça permettrait, et donc ça, c'est une dimension beaucoup plus sociale, aux justiciables donc de se rendre compte de l'impact que peuvent avoir certains comportements sur nos routes. Le deuxième avantage, donc, c'est que ça permettrait de favoriser et d'assurer donc, le lien social et cette cohésion sociale. Le troisième avantage, c'est que de manière très pratico-fonctionnelle, ça permettrait aux services communaux de bénéficier de renforts pour des petits travaux qui actuellement, dans certains cas, sont difficilement assurés par faute de temps ou de moyens. Et alors, le quatrième avantage, et donc ça, les plus anciens ont connu l'ancienne convention qu'on avait avec la Noria hein, dans le passé. Mais ici, c'est un partenariat qui n'a aucun impact financier, donc c'est 100% gratuit. Et les peines sont modulables, donc ça veut dire qu'on peut accepter ou refuser en fait, donc l'arrivée des justiciables en fonction des besoins et de la situation au niveau des services.
Voilà. Un élément qui était très important pour nous, c'est qu'on ne voulait pas vous proposer ça sans donc concerter et demander l'avis aux services communaux. Ce qui a été fait, et donc les différents services concernés par les tâches que je viens de citer ont été consultés, ont rendu un avis favorable par rapport à la démarche. Voilà. Avez-vous des questions ? Oui. On parle de combien de personnes possibles ? Parce que si c'est une personne, c'est assez facile à encadrer. Si on a 3-4 personnes, ça devient déjà un peu plus compliqué. Donc, est-ce que vous avez pensé à un nombre maximum, je vais dire, pour pouvoir le faire de manière cohérente, juste et adéquate ? Merci. Oui, M. De Smit, de fait, donc c'est, ça, on y a pensé, parce que ce qu'on ne voulait pas, et donc c'est pour ça qu'on a quand même pris le temps de la réflexion, c'était d'envoyer 10 justiciables au service travaux avec des problèmes d'encadrement et de matériel, parce que bon, on a imaginé le pire, on s'est dit, il faut quand même qu'on soit capable de les accueillir, ces justiciables. Et donc ça, c'était vraiment la première question qu'on a posée, c'est comment est-ce qu'on fait pour réguler ça, et surtout, est-ce qu'on est capable de les encadrer. Et donc, au niveau du nombre de justiciables qu'on peut accueillir, ça, c'est nous qui décidons. Donc ça veut dire que si on estime qu'actuellement, on a allez, je prends un exemple, qu'un brigadier disponible pour encadrer le justiciable, bah, on se limite à 1. Si on n'est pas capable d'accueillir, c'est 0. Si par contre, on se rend compte que tout le staff est là et qu'on a plus de possibilités, et surtout qu'on a du travail à leur donner, alors on peut monter beaucoup plus haut. Mais il n'y a pas de limite dans un sens ou dans un autre, et c'est dans la convention. Donc c'est la commune qui fixe en fait le nombre de justiciables qu'on peut accueillir dans l'institution. Oui, je comprends bien. Hein, et ça me semble justifié. On parle de quel timing ? C'est des périodes qui s'échelonnent sur en semaine, en mois, en 6 mois, en année. Je suppose que c'est des petits délits, donc ça ne doit pas être énorme, mais ça a son importance. Ça veut dire que quand vous vous engagez, vous êtes parti peut-être pour 3 mois ou pour 6 mois ou... Ouais. Non, donc ça dépend de la peine. Et donc, ici, en tout cas, on n'a pas eu de projection sur le nombre d'heures. Ça on n'a pas. Mais dans tous les cas, ici, et donc, je précise que c'est une convention pour une durée d'un an. On peut très bien mettre fin à la convention si on estime qu'il y a un problème ou que, au niveau. Parce que c'est clair aussi, si c'est un justiciable qui va passer 2 heures ici, le temps qu'on lui explique le système, bon, ça ne vaut pas la peine. Donc, je crois qu'il faut aussi mettre des balises. Et donc, c'est clair que si on se rend compte que ça ne fonctionne pas, ben, on mettra terme à la convention. C'est aussi simple que ça. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Ok, nous procédons au vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Point numéro 13. Le contrat de rivière Meuse aval et affluent, approbation du programme d'action 2023-2025 pour la commune de Soumagne. Il s'agit d'un vote. Madame Godfirnon. Attendu que la commune de Soumagne est membre de l'ASBL contrat de rivière Meuse aval et affluent, considérant que lors des inventaires de terrain réalisés par la cellule coordination, une liste de points noirs rencontrés sur les cours d'eau a été établie, sachant que le programme d'action du contrat de rivière a pour objectif de définir avec les différents partenaires un programme visant à restaurer et valoriser les richesses des rivières, considérant que le programme d'action 2023-2025 constitue la synthèse des engagements spécifiques de chaque partenaire sur des actions concrètes, vu la liste des actions à entreprendre proposées par le Collège communal et jointe en annexe, on demande au conseil communal d'approuver la liste d'actions communales du programme d'action 2023-2025 à entreprendre, de prévoir les budgets nécessaires à la réalisation de ces actions dans les délais fixés dans le programme, d'allouer annuellement une subvention minimum de 2 716 € au contrat rivière Meuse aval et affluent. Pour la période couverte par le programme d'action 2023-2025, d'autoriser également à effectuer la mise d'inventaire de terrain sur les cours d'eau de troisième catégorie, c'est-à-dire catégorie de gestion communale, durant toute la période du programme d'action 2023-2025, d'informer et sensibiliser les citoyens sur l'impact de leur comportement sur la qualité de l'eau des rivières, de transmettre la présente délibération et ses annexes en 2 exemplaires à l'ASBL. Voilà. Avance. Voilà. Merci, Madame Godfirnon. Avez-vous des questions ?
Oui, M. Kéris. Nous sommes aussi affiliés au contrat Rivière Veste. Et nous avons eu les mêmes propositions que le contrat Rivière Meuse, à laquelle nous n'étions pas affiliés au préalable, d'intervention sur les différents cours d'eau et surtout dans la manière dont les gens ont rejeté encore leurs déchets dans les cours d'eau. Et aussi loin que je me souvienne, ça n'a pas porté beaucoup de fruits. Quid des contrats Rivière Veste et de leur programme. On se lance vers contrat Rivière Meuse, on est aussi affilié à contrat Rivière Veste. Est-ce qu'on pense rassembler les deux contrats rivières et faire une réflexion globale ou simplement travailler dans un coin avec un et dans un coin avec l'autre, ce qui ne me semble pas être une bonne solution, soit dit entre nous. Je pense que rassembler les deux contrats rivières et faire une synthèse de ce qui pourrait nous apprendre, et ce sont des gens très compétents, c'est vrai, aussi bien dans un clan que dans l'autre, ils peuvent nous apporter pas mal de choses, et je pense que cette réflexion globale serait certainement plus utile et plus rentable que de se focaliser sur... On paye de toute façon l'affiliation aux deux, que de se focaliser sur simplement le contrat Rivière Meuse, avec qui nous n'avons pas été affiliés avant 2020 ou quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Voilà, juste une réflexion, et je pense que ce serait vraiment intéressant d'avoir une réunion avec ces gens contre la Rivière Veste et contre la Rivière Meuse, de manière à les entendre, parce que un s'occupe des affluents de la Meuse, l'autre s'occupe des affluents de la Veste, mais c'est quand même les rivières de notre commune, hein. Oui, merci Monsieur Kéris. Madame Godefirdon, vous souhaitez réagir? Simplement, au niveau de chacune des ASBL, ils font l'inventaire des points noirs des différentes rivières dont ils s'occupent. Mais évidemment, les lignes de conduite sont à peu près les mêmes d'un côté comme de l'autre. Oui. OK. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Monsieur Delchef. Monsieur, vous souhaitez réagir. Pour pouvoir donner un complément, il faut savoir aussi que toutes ces informations qu'on peut recueillir d'un côté ou de l'autre seront centralisées pour notre fameux plan de prévention des risques d'inondation dans le cadre du schéma de développement communal. Donc, fatalement, tout le travail qui est fait d'un côté et de l'autre, on va les accumuler pour pouvoir avoir une vue globale sur notre territoire en tenant compte de toutes ces informations-là. Donc, ce que Mme de Godefirdon disait, c'est que le travail que chacun fait, peut-être chacun de son côté, va quand même in fine pour la commune, être complémentaire pour notre réflexion sur la gestion de notre territoire. Moi, je dis globaliser. Avons-nous encore eu des contacts avec le contrat Rivière Veste? Il y en a encore cette semaine. Ouais. Il y a une formation qui a lieu. Je pense qu'il serait vraiment intéressant de faire une réunion avec les deux contrats rivières et faire une synthèse. Et ça apporterait de l'eau au moulin, son mauvais jeu de mots, à nos cours d'eau. Oui, Monsieur Mordon, allez, renfort. Oui, donc les... Pour les deux contrats, donc on a chaque fois une visite sur les lieux avec les agents. Moi, j'ai participé aussi, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Les contrats rivières reviennent, donc ils ont un agent dépêché pour la commune. Donc chacun revient avec ses synthèses, ses points noirs. C'est sûr que c'est pas discuté ensemble, mais c'est toujours les mêmes thématiques, comme disait Anne-Christine. Et donc, je veux dire, ça se complémente l'un dans l'autre. Il n'y a pas besoin de se voir... à 36 autour des deux contrats. On se voit séparément et les points noirs sont étudiés et on avance dessus. Quoi. Je ne comprends pas qu'on ne comprend pas, moi. On est plus fort à deux que tout seul, quand même, non? Mais non, parce que ce que M. Mordant essaie de vous expliquer... Ben oui, mais nous aussi, ça nous semble évident, mais c'est ce que M. Mordant va l'expliquer. Mais on va en rester là. Oui, Monsieur le chef. Oui, j'ai un point à attirer mon attention. C'est le point 11, PGRI. Mélin, Foncenal, bassin de retenue. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y a là-dedans? Puisqu'on a encore eu aux dernières inondations des problèmes à la pêcherie de la Foncenal. Est-ce que ça a un rapport avec la problématique du bassin et les discussions qu'on a eues à l'époque avec le SPW pour essayer de solutionner toute la problématique de la fameuse canalisation? Est-ce que c'est de ça qu'on parle? C'est en fait un projet de faire un bassin de retenue, et pas un bassin d'orage, mais un bassin de retenue entre le bassin d'orage du Moustier et la pêcherie en bas. Mais voilà, c'est un projet qui est dans justement dans le plan d'action. Y a-t-il d'autres questions? Non? OK, nous procédons au vote qui est pour... Unanimité, je vous remercie. Alors,
Point numéro 14, on va commencer les assemblées générales d'intercommunales. Alors, on commence par l'approbation des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du foyer de la région de Fléron, donc qui sera organisé le 23 juin, donc c'est à chaque fois ici fin du mois. Il y a une quinzaine de points qui sont à l'ordre du jour, donc vous l'avez eu dans le projet de délibération. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Lebeau. Ce n'est pas tellement une question pour dire qu'on va s'abstenir vu qu'on n'a pas de représentant au niveau du foyer de la région de Fléron. Merci. Tout à fait, comme à chaque fois. Ok, ben nous procédons au vote qui est pour unanime. Oui, enfin non. Donc 20 pour, qui est contre et qui s'abstient. Et donc deux abstentions, citoyens égaux. Ok, alors point numéro 15. Donc, approbation des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire intercommunale Intradel. Alors là, donc vous avez reçu un email du secrétariat cet après-midi. Donc, l'ordre du jour qui vous a été soumis est en fait celui de l'année dernière. Donc, on vous a envoyé le nouvel ordre du jour que j'ai ici sous les yeux. Je vais peut-être donc juste lire les intitulés pour que tout le monde... Je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de lire l'email. Donc, les différents éléments qui sont abordés ici à l'Assemblée générale du 23 juin 2022, c'est point 1, rapport de gestion, point 2, compte annuel, 3, compte annuel, affectation de résultats, le 4, administrateur des charges, exercice 2021, le point 5, commissaire des charges, exercice 2021, le 6, c'est administrateur des missions, nomination, et le dernier, donc le 7, c'est compte ordinaire et consolidé, contrôle, commissaire 2022-2024. Nomination. Voilà. Avez-vous des questions? Ok, il n'y a pas de questions. Donc, je vous propose d'abord de voter pour l'amendement, si vous le voulez bien. Donc, nous votons donc la modification ici du point, donc en rajoutant donc l'ordre du jour ici de l'Assemblée générale du 23 du 6. Donc, qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Nous votons maintenant donc le point qui a été modifié. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Alors, point numéro 16. Approbation des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale CHR La Citadelle, organisée le 24 du 6. Donc ici, nous avons 11 points qui sont à l'ordre du jour, qui vous ont également été transmis. Avez-vous des questions? Il n'y a pas de questions. Nous procédons au vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Point numéro 17. Approbation des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale donc ESETIA, SCRL, organisée ici le 28 juin. Il y a 10 points qui sont à l'ordre du jour qui vous ont été communiqués. Avez-vous des questions? Il n'y a pas de questions. Nous procédons au vote qui est pour. Unanimité. Je vous remercie. Alors, on continue. Point 18. Approbation des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, et donc cette fois-ci, c'est de l'intercommunale SPI, qui est organisée le 28 du 6. Alors, nous avons 7 points à l'ordre du jour qui vous ont été également communiqués. Avez-vous des questions? Il n'y a pas de questions. Nous procédons au vote qui est pour unanimité. Je vous remercie. Alors, il y a encore 2 points d'intercommunale. Le point 19, approbation des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale. Donc ici, il s'agit d'Enodia, qui est organisée le 29 juin. Il y a un peu plus de points à l'ordre du jour dans cette intercommunale-là. Il y en a 12, ils vous ont été communiqués. Avez-vous des questions? Il n'y a pas de questions, nous procédons au vote qui est pour unanimité. Je vous remercie. Alors, le dernier point intercommunal... approbation des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de l'intercommunale Néomancio, organisée le 30 du 6. Il s'agira d'un vote. Et 5 points sont à l'ordre du jour de la dite réunion. Ces points vous ont été communiqués. Avez-vous des questions? Non. Nous procédons au vote qui est pour unanimité. Je vous remercie. Alors, point numéro 21. Règlement de travail relatif au personnel enseignant des écoles communales de Soumagne. Il s'agira d'un vote. Et là, je cède la parole à notre échevine de l'enseignement, Madame Delman. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, la circulaire 79-64 émise par la Fédération Udine-Bruxelles présentait le nouveau règlement de travail des enseignants. Celui-ci modifie le règlement qui datait d'octobre 2015. Pourquoi un nouveau règlement? Parce qu'il y a un groupe de travail
portant sur les diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement. Il faut savoir que la majorité des écoles seront à partir du mois d'octobre en plan de pilotage. Donc, sur base des plans de pilotage et de nouveau fonctionnement des écoles, un nouveau règlement de travail a été mis en place. Celui-ci est passé à la COPALOC du mois de mai, du 12 mai, et approuvé par les membres de la COPALOC. Je ne sais pas si vous avez des questions. Y a-t-il des questions ? Monsieur le chef, oui. Quelle est la marge de manœuvre de notre intervention sur ce document ? À mon avis, zéro. En fait, pas beaucoup. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on a fait à la base, c'est qu'on a repris l'ancien règlement de travail qui était sur la commune de Soumagne. On a pointé tous les points qui étaient spécifiques à la commune de Soumagne. Il y en avait déjà très, très peu à ce moment-là. Je pense qu'il y avait deux points à l'ordre du jour de la COPALOC. Ces deux points avaient été acceptés par la COPALOC, donc on a pu les reprendre dans le nouveau règlement. Mais en effet, au niveau du règlement qui a été émis, très peu de marge de manœuvre. Il faut savoir que ce règlement a été établi par la fédération, vu avec les syndicats, les représentants des PE. Et tous les membres de l'enseignement également. Donc, en effet, très peu de marge de manœuvre. Maintenant, les deux points spécifiques au niveau de la commune de Soumagne ont été repris. Mais voilà, oui, en effet. Donc, en fait, ça permet de repréciser toute une série de points, aussi bien pour les enseignants que pour le PO. Mais, en effet, peu de marge de manœuvre. Y a-t-il d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Nous procédons au vote. Donc, qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 22. Donc on reste dans l'enseignement. Règlement d'ordre intérieur des écoles communales de Soumagne. Madame Delman. Alors dans les journaux de classe, on reprend le règlement d'ordre intérieur de nos écoles. Ici, on a adapté celui-ci sur deux points. Le premier point, c'est au niveau de l'obligation scolaire qui avait changé, qui n'avait pas encore été adaptée au niveau du règlement. Et l'autre point, c'est un point sur l'utilisation abusive et inappropriée des réseaux sociaux. Donc ces points sont également passés, donc ce règlement est également passé à la COPALOC du 12 mai et approuvé par la COPALOC, les membres de la COPALOC. Voilà, merci Madame Delman. Avez-vous des questions ? Oui, Monsieur le chef. Simplement profiter de ce point pour voir s'il y avait eu des retours par rapport à la modification des horaires pour les débuts d'école avec les cales, voir, on n'a pas eu de retour. Est-ce que ça se passe bien ? Rappelez, hein, quand on avait remis les débuts de cours complètement différents, enfin, pas complètement, mais on avait... Uniformisé. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a eu un retour là-dessus ? Est-ce que ça a créé un problème ou pas ? Donc ici, le point n'a pas du tout été abordé à la COPALOC du 12 mai. Il faut savoir que quand on a mis ça en place, on a eu au début une petite difficulté au niveau du CAR pour pouvoir s'ajuster au niveau des différents horaires. Mais depuis, on n'a pas du tout de retour, de remarques ou quoi que ce soit. Donc ça a l'air de rouler en tout cas. Je n'ai pas de retour négatif. Ok, merci Madame Delmal. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Ok, nous procédons au vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Point numéro 23. Règlement d'ordre intérieur et projet pédagogique des garderies organisées dans les écoles communales. Madame Delman. Donc alors, au niveau des surveillants scolaires, il n'y avait pas de règlement jusqu'à maintenant. Donc on a eu des réunions avec les surveillants scolaires qui nous disaient ben, « c'est un peu embêtant pour nous parce qu'on n'a pas de règlement ». Donc sur quoi s'appuyer quand il y a des choses qui ne se passent pas bien ou autre. Les directions avaient le même retour également. Donc on a établi un règlement des surveillants scolaires pour nos surveillants scolaires du matin, du mercredi après-midi et après les cours. On s'est inspiré évidemment de ce qui a été fait dans les communes voisines. On a également voulu mettre comme annexe à ce règlement l'annexe avec les horaires d'ouverture et de fermeture des différentes surveillants scolaires. Et un document qui était demandé aussi par les surveillants scolaires, qui était la fiche d'inscription à la garderie et les informations sur les personnes qui peuvent reprendre les enfants et les maladies ou allergies éventuelles. Donc voilà, on présente le règlement aujourd'hui qui répond en fait à une demande de la part des surveillants scolaires. Merci Madame Delman. Avez-vous des questions ? Il n'y a pas de questions. Nous procédons au vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Alors, point numéro 24, suivi des interpellations, questions des séances précédentes. Alors, nous aurons donc ici trois prises de parole. Et nous allons commencer donc par Madame Godefirnon, concernant le marquage au sol. Madame Godefirnon. Donc, concernant le marquage au sol à la sortie du lotissement du château de Michroux, donc les peintures ont été refaites pour la limitation de vitesse.
Et deuxième chose par rapport à la fontaine au Patria, donc elle a été remise en marche. En effet, il y avait eu une panne à cause d'un problème de niveau et de retour. Donc l'entreprise est venue réparer et elle est de nouveau en marche. Voilà. Est-ce que vous souhaitez réagir déjà sur ces deux points ? Vous pouvez, c'est... non ? Alors, on a une troisième prise de parole de représentant du collège, donc M. Azewoutz, on vous écoute. Oui, donc je tenais à informer le conseil communal que suite à notre refus en date du 13 décembre 2021 de la demande d'élargissement du chemin vicinal numéro 2 de Mélin, introduite par la société Wiccaré, ces derniers sont allés en recours auprès du gouvernement wallon et que le gouvernement wallon confirme le refus. Voilà, vous pouvez réagir aussi, vous pouvez poser les questions sur ces thématiques-là si vous voulez. Je ne sais pas si... Non, pas de questions ? Ok. Voilà, on peut passer au point suivant. Donc le point suivant, c'est le point numéro 25. Donc ce sont les points supplémentaires inscrits à la demande de conseillers communaux. Et nous avons reçu donc, un point supplémentaire déposé par M. Lebeau. Donc rapport du collège communal sur les gestions des affaires communales en 2021. Prise d'acte. Voilà, M. Lebon, on vous écoute. Oui, merci. Donc, selon l'article L 1122-23 du Code de la démocratie communale et de la décentralisation, le Collège communal fournit avec le compte un rapport sur la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent. Jusqu'en 2018, ce rapport faisait l'objet d'un point particulier à l'ordre du jour. Cette façon de faire permettait aux conseillers d'interroger le Collège sur les sujets évoqués dans ce rapport en demandant éventuellement un complément d'information. Il serait souhaitable que le collège renoue à l'avenir avec cette bonne pratique, puisque cela n'a pas été fait cette année. Nous vous demandons d'ajouter ce point à l'ordre du jour afin de permettre aux conseillers de faire des remarques ou de poser les questions qu'ils jugent utiles. Ok, merci Monsieur Lebeau. L'article L 1222-23 du code que vous citez dit ceci. Donc on va quand même le relire parce que on a quand même dû faire des recherches par rapport à votre demande et je vais, enfin voilà, ça va être un peu théorique, mais on va relire ensemble l'article parce que ça va nous permettre de comprendre l'approche. Alors donc je cite: le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport. Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l'administration et des affaires de la commune. Et le rapport qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent. Avant que le Conseil délibère, le Collège communal commente le contenu du rapport. Voilà. Donc ça, c'est la lecture de l'article. Lors du vote du budget communal de 2022, donc au Conseil... donc au précédent conseil, parmi les pièces annexées au budget figurait donc de fait la note de politique générale et financière. Donc ça, c'est, pardon, excusez-moi, c'est lors du conseil du 22 novembre 2021. Et lors du vote sur les comptes de l'année 2021, donc lors du dernier conseil cette fois-ci, du 23 mai, parmi les pièces annexées au compte figurait le rapport sur la gestion des finances communales. Et donc, il nous semble que vous faites une confusion. Puisque le titre de votre point parle d'un rapport sur la gestion des affaires communales, et votre texte, que vous venez de lire, en dessous, cite un rapport sur la gestion des finances communales. Et donc, sur le plan purement légal, ce sont deux choses différentes, et donc j'explique. Donc, le rapport sur la gestion des affaires communales, donc le gros rapport que tout le monde connaît, d'une centaine de pages, c'est en fait une ancienne obligation légale qui n'est plus aujourd'hui. Ce rapport n'est donc plus présenté en séance du Conseil depuis les comptes de l'année 2018, mais en fait, nous avons continué à l'annexer aux comptes pour des raisons de bonne gouvernance et de transparence. Alors, ça, c'est pour le rapport des affaires communales. Alors, pour le rapport sur les gestions des finances communales, il était annexé lors de l'approbation des comptes au dernier Conseil, et vous avez eu le loisir d'en prendre connaissance et de poser les questions que vous souhaitiez. Vous êtes bien entendu libre de poser des questions sur les deux autres rapports lors de leur approbation au moment du budget et des comptes. Donc, dans la continuité de ce qui se fait, en fait depuis les comptes de l'année 2018, et étant entendu que le rapport gestion des affaires communales ne doit plus être rédigé, ce n'est plus une obligation, ni même présenté, et qu'il a déjà été voté par le Conseil communal du 23 mai, nous proposons qu'il ne soit pas ajouté à l'ordre du jour d'un prochain Conseil communal.
Nous avons actuellement une réflexion sur le maintien ou non dans le futur de la rédaction de ce document, parce que ce document est très chronophage, et c'est vrai qu'au niveau de la présentation, on ne peut pas dire que ce soit très pédagogique. Et donc, on a actuellement une réflexion sur le rapport ou la manière de présenter donc cette gestion des affaires communales qu'on pourrait vous présenter donc, lors d'un prochain conseil communal et peut-être d'une autre manière. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point ? C'est un point supplémentaire, donc les autres conseillers peuvent intervenir. Ce n'est pas une interpellation. C'était une prise d'acte. OK. Nous passons donc au point 26. Interpellation des membres du collège par les conseillers communaux. Je vais prendre ma feuille et on va faire un tour de table. Alors, qui souhaite prendre la parole ? On va commencer par là. Donc, monsieur Charlier, monsieur Lebeau et madame Natalello. Ah, monsieur le chef. Ah, quand même, hein. OK, donc il y a quatre conseillers et conseillères. Allez, honneur aux dames. Madame Natalello, nous vous écoutons. Merci, monsieur le bourgmestre. Ben voilà, j'ai deux interpellations pour ce soir. Donc, la première, en fait, c'est pour madame la présidente. Ça concerne, en fait, le CPS. C'est vrai qu'on en a pas mal discuté tout à l'heure au niveau des modifications budgétaires. Je pense que notre chef de groupe a pu vous faire part, effectivement, de la situation. Et en tant que conseiller, conseillère, effectivement, je réitère, nous sommes très inquiets et inquiètes. Et ici, en fait, j'ai reçu en fait, ce matin une copie d'un courrier qui a été envoyé à des bénéficiaires et des usagers du CPAS. Je cite « Information épicerie. Ce courrier pour vous informer de la fermeture de l'épicerie à partir de ce lundi 13 juin 2022 jusqu'à nouvel ordre. Un membre de l'équipe étant absent, nous avons un problème d'organisation. Nous vous tiendrons informés de la réouverture de l'épicerie par courrier. » Voilà, je ne vous cite pas la formule de politesse. Et donc, la personne qui me l'a envoyé, c'est une personne, effectivement, qui vient tous les lundis à l'épicerie sociale. Et donc, effectivement, elle se retrouve dans une situation un peu compliquée parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle en a parlé à son aide familiale. Et donc, voilà, moi, je viens vers vous parce que je souhaiterais savoir, avoir peut-être une explication par rapport à ce courrier qui a été envoyé. Et quand vous dites jusqu'à nouvel ordre, je trouve que c'est un peu vague. Surtout qu'en plus, vous ne donnez pas de solution de rechange. Et l'autre réflexion que j'ai envie de vous faire aussi, c'est quid des colis alimentaires qui sont livrés. Voilà. Oui, madame Thomasin. Donc voilà, nous sommes en difficulté avec le personnel. Donc on ne sait plus pour le moment temporairement faire ce service. Il faut savoir que l'épicerie sociale, certes, il y a les colis alimentaires, mais c'est plus que ça. C'est vraiment un service qui est à part entière du service d'insertion sociale. Donc, pour ce qui est purement de les colis alimentaires, j'invite évidemment les bénéficiaires à se retourner et prendre rendez-vous avec leurs assistantes sociales. Des solutions seront trouvées. Le courrier, voilà. Et le délai de la fermeture, on ne sait pas présager de l'absence de l'agent. Mais tout est mis en œuvre pour la réouvrir au plus vite. Oui, Vous pouvez réagir. Oui, je trouve que c'est... Enfin, voilà, moi, personnellement, je trouve que c'est relativement inquiétant. Voilà, je trouve qu'arrêter un service comme ça, parce qu'il y a un souci au niveau du personnel, je peux l'entendre, parce que voilà, ça peut arriver dans n'importe quel service. Mais je veux dire, vous savez comme nous que les temps sont durs, que beaucoup de personnes ont recours à ce service, et le fermer sans mettre de date de reprise. Voilà, mais j'entends votre réponse, il n'y a pas de souci. J'entends votre inquiétude aussi. Oui. On va voir ce qu'on peut mettre pour mieux informer alors les usagers. Oui, OK. Si je peux me permettre, oui. Le fait de fermer complètement me dérange. Qu'on ait un souci de personnel, il n'y a pas qu'une personne qui travaille au CPS. Donc, il y a quand même moyen de s'organiser. On pourrait l'ouvrir un nombre de temps
moindre, peut-être que 2 heures au lieu de l'ouvrir une journée, peu importe. Mais fermer la porte complètement à des gens qui sont dans le besoin aujourd'hui avec la crise que l'on connaît, ça m'interpelle vraiment très fort. C'est un peu facile, quoi. C'est un peu simple de fermer comme ça. Voilà, Madame Thomassin, donc ici c'est une interpellation de Madame Natalello, donc je vous donne la parole, vous répondez, mais après on en reste là, parce que c'est... Voilà. Oui, Madame Thomassin. Donc voilà, c'est bien les termes épicerie sociale avec derrière, oui, il y a de la distribution alimentaire, mais ce service est bien plus que vraiment où une ouverture où on vient chercher son colis alimentaire et qu'on repart. Donc en fait, le projet, il est vraiment basé par rapport à une équipe qui fait vivre cette épicerie sociale par le biais d'autres bénéficiaires qui construisent les colis pour donner aux personnes qui en ont besoin. Donc il y a ce n'est pas simplement une ouverture d'un endroit où on vient chercher son colis. Ça, on revient alors pendant les conditions Covid. Nous avons fonctionné comme ça parce qu'il fallait donner les aliments au niveau des personnes. Mais on a entendu le service social qui était en difficulté par rapport à l'organisation générale de ce service-là et qui ne voulait pas, à l'heure actuelle, revenir à une distribution de colis en tant que Covid. Donc, on a acté cette fermeture. Certes, on ne sait pas jusque quand, mais on va mettre tout en œuvre pour que ça se soit remis en service. Mais bien évidemment, il y a d'autres aides que ces colis qui peuvent être données pour ne pas que les personnes souffrent de la fermeture purement pratique de ce service. Et donc, je les encourage à revenir vers leurs assistantes sociales, mais je vais creuser la communication par rapport à ce sujet. Ah, vous n'étiez pas au courant de la communication qui avait été faite? Il faut la rectifier. Okay. Ok, oui, Madame Natalello. Oui, j'avais une deuxième. Oui. Voilà, c'était pour vous, Monsieur le Bourgmestre. Je vais essayer d'être brève par rapport à ce dossier, puisqu'on en a déjà parlé de manière non officielle. Mais voilà, je voulais revenir vers vous par rapport à une demande qui avait été introduite au niveau du collège pour un citoyen qui souhaitait une demande de raccordement dans la rue militaire. Voilà, c'est une demande qui a été soumise au sein du collège le 21 avril exactement. Je sais que c'est le géomètre expert de la commune qui a pris ça en charge. La demande date d'un certain temps. Je pense que le citoyen est revenu vers vous pour obtenir une réponse claire et concrète, voir si le dossier avançait. Et il n'y a pas de retour, il n'y a pas de réponse. Donc la question, elle va être très simple. Ben, est-ce que vous pouvez me donner des nouvelles de ce dossier ou en tout cas contacter l'intéressé et lui faire part de l'état d'avancement du dossier pour que la personne ne reste pas comme ça sans réponse du collège, quoi. Voilà, merci. Oui, Madame Natalello, normalement, une interpellation, c'est d'intérêt général. Et donc, ça me dérange un peu qu'on aborde des dossiers de citoyens ici au Conseil communal, parce que si on commence à faire ça, on va y passer la nuit. Donc, c'est un grand plaisir qu'on est au service des citoyens, mais l'objectif du Conseil communal, c'est pas de traiter des dossiers individuels. Mais je vais quand même vous répondre de manière très claire. Donc oui, ce dossier-là, on le traite. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'assurer une équité de traitement entre tous les citoyens. Et la problématique qu'on a, c'est que les informations qu'on a de la part de la SWVDE pour ce dossier-là ne sont pas les mêmes qu'on a eu pour d'autres dossiers. Et donc, on essaie de s'y retrouver au niveau des différents départements de la SWVDE pour savoir exactement ce qu'on doit faire pour traiter tout le monde de la même manière. Et donc, le problème n'est pas chez nous. Il est au niveau des instructions qu'on reçoit de la part de la compagnie des eaux, et donc on en est là, mais dès qu'on sait exactement ce qu'on doit faire, on le fera, comme on a déjà fait pour d'autres citoyens, évidemment. Nous, ici, c'est pas de la mauvaise volonté ou un problème d'organisation chez nous en interne, c'est simplement un problème d'instruction de la part de la SWVDE. Alors, oui, Monsieur Charlier, vous pouvez réagir, hein, si vous... Non, Monsieur Charlier. Oui, merci. Donc, j'aurais deux interprétations aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, la première, on m'a interpellé au sujet du tennis club, enfin, l'ancien tennis club des Trois Chênes à Haineux, où il se trouve pas mal de crasse, où la toiture commence à s'effondrer. Il y a des enfants qui jouent dedans, donc ça devient assez dangereux. Et il y a aussi des restes de produits stupéfiants.
Est-ce que vous ne pourriez pas intervenir et aller constater pour obliger le propriétaire à nettoyer et à faire le nécessaire, s'il vous plaît? Oui, M. Charlier, donc ça c'est un dossier sur lequel on a déjà travaillé avec les services de police. Donc on a en fait demandé au propriétaire du bâtiment et du site de clôturer le site parce qu'il y avait des, manifestement des mouvements en soirée ou pendant la nuit, ce qui a été fait. Donc il y a déjà des mesures de sécurisation qui ont été réalisées, mais on peut y retourner avec la police pour voir ce qu'il faut faire pour renforcer la sécurisation. Oui, ça c'est normal, mais... Mais il est clair que, notamment, le fait d'avoir une clôture renforcée et le fait d'empêcher le passage des véhicules, c'est vraiment un élément important pour que personne ne puisse rentrer à l'intérieur du site. Oui, c'est noté. Merci. Et alors, la deuxième serait une demande des riverains et des parents d'école. Au niveau du terrain de foot des nœuds, juste devant, il demanderait s'il serait possible de créer un parking afin d'avoir des facilités de stationnement en heure d'école. Oui, allez, M. Trier. Je veux bien répondre, mais c'est du patrimoine communal, puisque c'est sur l'avant du terrain, devant le filet par ballon, si je comprends bien, c'est ça? Ok, donc ça, c'est pas moi. ben non, mais vous souhaitez répondre? On a jamais discuté de ça, mais on prend note de votre proposition. On n'a jamais eu la moindre demande, la même réflexion, donc c'est... Si ça pourrait être étudié. Oui. Voilà, écoutez, on note. Oui. Sincèrement, je trouve que l'idée est quand même intéressante, effectivement. Ouais. Mais à voir un peu comment on pourrait mettre ça en œuvre. Voilà. Il faut juste prendre un élément en considération, c'est que l'ensemble du terrain n'est pas communal parce qu'il y a une partie qui appartient à riverains, qui a d'ailleurs clôturé et aménagé. Donc voilà, il faut prendre en considération cet aspect-là parce qu'avant, ce n'était pas le cas. En tout cas, ce n'était pas aménagé. Donc, oui, et tout à fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on est le long d'une route régionale avec... Oui. Ouais. Enfin, on va étudier, on prend le point. Merci à vous. Alors, on continue. Monsieur Delchef. Oui, j'aurais une interpellation, mais je voudrais garder pour le huis clos. Ça concerne les écoles, mais j'aimerais mettre ça en huis clos pour pouvoir en discuter plus calmement. Et alors, le deuxième point, en fait, c'est... on a entendu, et bon, ça s'avère réel, que l'ensemble du CODIR du CPS serait en maladie. Enfin, ne travaillerait plus. On voudrait savoir quelles sont les répercussions sur la gestion générale du CPS. Comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui se passe au CPS pour avoir l'ensemble du CODIR qui se met en burn-out, je vais dire ça comme ça? On entend beaucoup de bruit, les téléphones crépitent un peu partout. J'ai entendu aussi des choses que peut-être je ne devrais pas avoir entendues, mais sur des interpellations ou des interventions de M. le bourgmestre dans le cadre de certaines réunions qui auraient déclenché ce petit séisme. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'informations sur l'état du personnel? Je me rappelle que M. Lebeau en avait parlé une fois, on avait dit non, tout va bien, Mme la marquise, mais manifestement, maintenant, il y a un gros malaise, en tout cas, au CPS. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on y fait quelque chose? J'avais en tête, en chanterie, qu'il y avait un expert qui avait été fait commander par le conseil de CPS. Et donc, voilà, ça ne me paraît pas normal que l'ensemble de la direction administrative, j'ai dit ça comme ça, laisse la présidente tout seul et que, voilà, je ne sais pas comment on peut fonctionner lorsqu'il n'y a plus personne. Merci. Je peux dire qu'il y a encore des agents, des personnes qui ont pris le relais des absences au niveau du CODIR. Et le point est mis au bureau permanent pour être à l'écoute du personnel et voir ce qu'on peut mettre en place par rapport aux absences à l'heure actuelle. C'est des absences en groupe, mais de courte durée, on espère, on va voir. Ce qu'il y a, c'est que... Donc, il y a bien un accompagnement qui est fait depuis maintenant plus d'une année au niveau d'un accompagnement. Donc, on était prêt à... On n'est pas loin d'aboutir, mais voilà, les dernières
La dernière organisation à mettre en place est un peu plus compliquée, mais on garde espoir et il y a des personnes qui ont besoin de recul pour le moment. Les autres prennent leur lait, mais on est à l'écoute et on va tous ensemble trouver des solutions. Voilà, et pour répondre par rapport à ma partie, donc moi, en fait, j'interviens sur les thématiques CPS dans le cadre de la concertation sociale, hein, en tant que président de la concertation sociale. Et c'est vrai que ce qu'on vit ici depuis quelques mois est assez historique, dans le sens où, historiquement, on n'avait qu'une délégation syndicale en concertation sociale, c'était la CGSP, et que depuis deux mois, enfin, en tout cas, depuis deux réunions, on a donc une deuxième délégation syndicale qui est représentée, c'est la CSC, donc avec des représentants exclusivement issus du CPS. Et on se retrouve dans une situation où avant, on avait une concertation, en tout cas une discussion en direct, autorité et la CGSP. Et ici, on se retrouve dans une situation qu'on n'avait jamais connue dans le passé, où les deux délégations syndicales ne s'entendent pas sur une série de points, et sur un point particulier sur lequel il y a une opposition totale des deux délégations syndicales. Et donc nous, en tant qu'autorité, on doit évidemment essayer de composer avec ça. Donc c'est vrai que c'est un cas de figure qu'on n'avait jamais connu avant. Donc on travaille dans ce cadre-là et on essaie de faire le maximum dans l'intérêt des travailleurs et des citoyens, mais dans un contexte qui, de fait, est différent. Oui, ça c'est clair. Avec en plus les problèmes financiers, ça fait beaucoup de soucis. Oh oui, écoutez, on fait avec. Hein. On est là pour trouver des solutions et on continue à avancer. Voilà. Ok. Monsieur le chef, vous n'avez pas d'autres interpellations ? Ok, pour le huis clos, c'est ça. Alors, monsieur Lebeau. Oui, j'en ai deux également. La première, c'est concernant la sécurité. On a parlé tout à l'heure du marquage des routes. Et il y a plusieurs informations qui me sont revenues, donc notamment de savoir comment le service, si c'est le service ou la police qui demande tout ce qui est marquage au sol. Par exemple, il y a des rues, on prend la rue des Deux Tilleuls, où vous avez des croix de Saint-André qui sont dessinées sur le sol à certains endroits. Et le carrefour suivant n'en a pas, puis il y en a une. Donc il y a des endroits, par exemple, où il y en a ou il n'y en a pas. Ou dans la rue Croix-Aînès, vous avez à terre symbole 30 km/h. Et 5 mètres plus loin, il y a un deuxième. Donc on a par repère le premier, on a refait un deuxième. Donc là, il y en a deux. Pareil un petit peu pour tout ce qui est plaques de signalisation, où c'est souvent les croix de Saint-André où il y a des problèmes, où les visibilités ne sont pas toujours adéquates parce que les haies viennent principalement sur les panneaux. Et voir aussi, ça c'est une question qui m'a été posée, par rapport aux hauteurs de panneaux, il y a certains qui sont très bas, d'autres très hauts. Est-ce qu'il y a une mesure standard ou si c'est au Vogelpick. Donc voilà, donc ça c'était la première interpellation. Et alors la deuxième, c'est concernant le fauchage des accotements par une firme privée. Donc nous avions déjà constaté que le fauchage des accotements par une firme privée laissait quelquefois à désirer. Nous ne sommes pas les seuls, puisqu'une citoyenne photo à l'appui a fait cette remarque ironique sur la page Facebook des habitants des Vignetiniers, à laquelle a répondu M. Mordant. Donc l'intervenante, je ne vais pas citer les noms, donc je cite, un petit commentaire, si vous cherchez à entretenir les abords de chez vous, adressez-vous au service de la commune de Soumagne. Il possède une faucheuse qui fauche très mal et qui ne se voit pas le travail fait. Elle en oublie même des endroits. Peut-être vaut-il mieux laisser les hautes herbes, c'est plus joli. Et M. Mordant, qui vous a répondu, bonjour, c'est pas la personne, c'est une firme privée qui a réalisé cette coupe. En effet, le résultat est mauvais. J'interpelle le service technique communal, bon week-end. Et puis, bonjour Michel, c'est encore plus incroyable de savoir que c'est une firme privée. La commune paye donc un travail mal fait. Et là, la question, quelle suite avez-vous donné à ce travail bâclé ? Point d'interrogation. Merci. Dites, monsieur Lebeau, on n'est pas ici pour répéter ce qui s'est... Enfin, c'est écrit sur Facebook. Moi, j'ai pas non, c'est par rapport au travail. Non, mais... donc on a posé la question. Oui, d'accord, mais moi, je préfère que... J'ai pas de souci à ce qu'on aborde des thématiques. C'est une thématique très intéressante, celle-là. Mais de là à citer les commentaires sur Facebook, je pense que... Voilà, ceux que ça intéresse n'ont qu'à aller sur Facebook. Et je pense qu'au Conseil communal, on parle de thématiques d'intérêt public et d'intérêt général, s'il vous plaît. OK. Oui, madame Côte-Firnon. Par rapport aux panneaux, aux hauteurs de panneaux, etc., je n'ai absolument aucune idée s'il y a des normes ou pas. Donc, je demanderai à l'agent qui s'en occupe. Par rapport aux peintures, etc., pour les limitations de vitesse, etc., au sol, mais quand on demande, enfin, quand il y a une demande, quand on remarque que la peinture est effacée, en général, oui, c'est on demande au service technique de passer, au peintre de passer.
Et en général, ils refont au même endroit, sauf si il y a une demande spécifique par rapport au service mobilité et qu'il faut faire la peinture à un autre endroit. En fait, les marquages au sol ne sont pas obligatoires. Donc, ça veut dire que c'est les plaques. Et encore, certaines plaques, on les met plus par indication qu'obligation. Le code de la route, c'est des priorités de droite en général, sauf contre-ordre, quand c'est route prioritaire. Donc, priorités de droite, on n'est pas obligé de les marquer quand elles sont en vigueur. On les met en général aux endroits qui sont peut-être plus accidentogènes ou on estime que, par rapport évidemment à l'entretien autour des plaques, là, évidemment, ça dépend. Soit c'est nos services quand c'est sur le domaine public qui essaient de les élaguer, quand c'est évidemment dans les devantures privées des gens, en général c'est à charge des gens et souvent on envoie le courrier pour leur demander de tailler pour que les plaques qui ne sont pas visibles puissent l'être à nouveau. Alors il n'y a pas d'automatisme, comme je le disais, il y a des endroits où on va mettre des plaques, alors que ce n'est pas obligatoire mais plus à titre informatif pour insister vraiment sur la dangerosité. Même chose pour le marquage, souvent on met un marquage au début quand il y a des changements de priorité, ce genre de choses, on ne fait pas systématiquement un repassage quand il s'efface, quand on estime qu'après un certain temps, il n'est plus d'efficace, il n'est plus d'efficacité. Ok. Oui. Monsieur Lebeau, vous souhaitez réagir? Non. Voilà. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des interpellations. Nous arrivons donc à la fin de cette séance publique. Et avant de clôturer la séance, je souhaiterais de vous inviter au verre de l'amitié après le conseil communal. Donc, vous savez que la tradition, il y a quelques années, c'était de boire le verre de l'amitié, donc souvent en fin d'année, donc pour le mois de décembre, avant la trêve hivernale. Ici, depuis 2 ans avec le Covid-19, donc nous n'avons pas pu perpétuer cette tradition. Et donc cette tradition a pour but de remercier les citoyens qui sont présents lors des conseils communaux et de permettre donc un échange avec les représentants du conseil communal, mais aussi pour remercier donc les membres du conseil communal de leur investissement pour la commune. Et donc je vous propose donc de rester quelques minutes après le conseil communal pour perpétuer cette tradition. Donc j'invite les citoyens à peut-être... Oui, voilà, les auditeurs peuvent venir, évidemment. Il n'y a pas de souci. Oui, ça, évidemment, c'est la contrainte du digital. Mais en tout cas, j'invite les citoyens qui sont présents dans... aujourd'hui avec nous, d'attendre peut-être en bas au rez-de-chaussée, puis on vous appellera alors si vous souhaitez nous rejoindre pour prendre le verre de l'amitié. Voilà, je vous propose donc de clôturer ici la séance publique, on fait une pause de 5 minutes et puis on reprend le huis clos. Merci beaucoup et je remercie donc tous les auditeurs qui nous ont suivis pendant cette séance. Merci à vous et excellente soirée.